Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook J. et Remingonon et aussi les autres pages de secours, les groupes qui partagent, je salue donc fraternellement, amicalement, tous ceux-là qui sont sur la page Remingonon Fan, Remingonon, les plus beaux proverbes africains, et vous tous également qui faites ce travail. Chaque jour, chaque jeudi, chaque samedi, pour que nous puissions atteindre un monde conséquent. Vous le savez déjà, c'est grâce à vous que la page a réussi à survivre aux multiples attaques par rapport à la première qui s'en est allée, paix à son âme, mais grâce à vous, il y a eu résurrection. Cette résurrection qui fait de telle sorte que nos informations, nos discussions, et puisse aller encore beaucoup plus loin dans tous les horizons et que nous ne trouvions pas un bouchon qu'ils veulent nous créer. Pour vous également qui êtes sur la chaîne YouTube, eh bien, je vous dis merci une fois de plus de continuer à rester là et surtout de mettre beaucoup de cœur, ces cœurs qui font que la page Remingonon JP au niveau de Facebook et aussi au niveau de la chaîne YouTube puisse vivre, puisse survivre aux multiples attaques. Sachez-le, si vous ne le faites pas, eh bien ça tourne, après vous êtes perdu, je ne peux rien et après le direct s'arrête. Je vous supplie donc, je vous prie donc, ne serait-ce que pour votre propre confort, pour mieux m'écouter, de venir toujours liker, de toujours partager, de ne pas hésiter parce que je ne peux pas tout faire à la fois. C'est un travail qui se fait en collégialité et non qu'on puisse espérer un Messie qui viendra délivrer tout le monde. Et lorsque ce Messie est abattu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, apprenons donc à être ensemble comme des fourmis magnans, parce que nous sommes le bataillon des fourmis magnans, pour défendre notre cause, pour faire avancer notre cause, et surtout pour protéger notre cause, celle de l'information, celle de la vérité, celle d'une nouvelle Afrique qui devrait être débarrassée de ses scories, qui devrait être débarrassée de ses a priori, et surtout qui devrait avoir une information pas seulement fleuri pour essayer de caresser les dirigeants au sens du poil, mais une information vraie, crûment, toutes portes ouvertes, même si elle fait mal au cœur. Ceci étant également, j'ai sollicité votre geste de cœur pour un homme qui, comme moi, s'était lancé dans la critique, qui voulait que les choses changent, qui dénonçait des voleurs, des détourneurs, des pilleurs, des fonds publics. Et vous avez vu de quelle façon est-ce qu'il a été abattu. Martinez Zogo a donc été sauvagement abattu et ça fait depuis que j'écris auprès de vous de pouvoir aider pour que justice soit faite. Or, regardez, vous êtes des centaines de milliers à me suivre, mais regardez juste le lien qui est là. Pour la solidarité pour Martinez Zogo et surtout pour la justice, puisque le procès va bientôt commencer. Je vais d'ailleurs y revenir pendant cette émission. Mais combien de personnes peuvent-ils avoir au moins cet élan de cœur de donner un petit quelque chose? Faites un geste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cela ne va pas vous couper les mains. Cela ne va pas faire que vos factures d'électricité ne soient plus payées. Ce n'est pas ça qui va faire que l'eau qui était dans votre robinet eh bien, soit définitivement bloquée. Ce n'est pas ça qui va empêcher que vos enfants aillent à l'école. Un geste de solidarité pour Martinez Zogo, parce que ça ne sert à rien de pleurer tout simplement. Alors, avant de commencer, je croise d'abord les bras. Et vous allez voir, si je croise les bras, comme Martinez Zogo, y a-t-il le direct?
Sortez donc vos cartes et faites un geste. Parce que sur d'autres chaînes, vous êtes obligé de vous abonner, de payer, parfois pour le divertissement. Mais regardez vous-même le lien que j'ai mis. Combien il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va dire de nous, Camerounais? Que le bruit. Je suis triste. Par ce manque de générosité. Des gens qui sont prêts à aller dépenser des milliers d'euros dans des boîtes de nuit. Mais qui n'ont jamais eu à se demander si quelque chose leur arrivait, qui en parlerait? Vous vous souvenez? Même le super milliardaire, pas de diamant. J'en parlais. Si je n'étais pas là, peut-être qu'il serait déjà aujourd'hui très loin à Kondengi. Mais certains ont reculé. Je n'ai pas demandé à être payé. Et chaque fois que je viens intervenir, je ne demande pas à être payé. Mais lorsque je tends la main pour une cause qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur, comment ne pas manifester ne serait-ce que une once de générosité? Je vous laisse d'abord une minute, réfléchissez. Mesdames et messieurs, le lien est sur ma page Facebook. J.P. Redingonon. Également, je vais demander à mon ingénieur de pouvoir aussi mettre cela au niveau de YouTube.
Le lien est épinglé dans les commentaires. Le lien est dans les commentaires de Facebook également. Et vous pouvez aussi le trouver sur YouTube. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. Qu'il est beau et heureux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous, disait Bernard Barbier en 1852. Le football camerounais s'agite. Même si l'actualité politique est là, il faut savoir également que le football camerounais connaît une certaine actualité parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui y interviennent avec, en première position, le capitaine, le sélectionneur, le vrai de l'équipe des Lions Indomptables, Paul Biya. Rigobertson a été renvoyé, ou alors son contrat n'a pas été renouvelé après ses multiples échecs, et le gouvernement, à travers déjà un discours du 31 décembre 2023 sur l'impulsion de Paul Biya qui adressait ses voeux aux Camerounais donc et disait que les choses allaient changer et qu'il allait reprendre la refonte, la refondation même du football camerounais et que cette refondation allait être confié à un membre du gouvernement et plus précisément le ministre des Sports. On a donc attendu la nomination d'un sélectionneur. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de sélectionneur. Et pourtant, plein de sélectionneurs sont au monde. Mais on hésite, on attend et on s'étire les balles au niveau des pieds. Quand on parle de s'étirer de ces balles, c'est justement parce qu'on ne joue même plus à la balle. Cette période est appelée justement la période FIFA. C'est une fenêtre qui permet aux équipes nationales d'organiser des matchs. Or, toutes les équipes du monde ont organisé des matchs. Même le Tchad a organisé les matchs. Mais curieusement, deux pays n'ont pas organisé de matchs amicaux pour au moins se rouler. Car après cette fenêtre, c'est directement les éliminations, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette période devrait donc servir de préparation
avec le nouveau sélectionneur pour les matchs couperets qui viennent. Parce que directement, c'est la Coupe du Monde. Puis, il faut aussi savoir que il y a la CAN 2025 qui est là. Quel sélectionneur va-t-on prendre le jour du match pour obtenir les résultats? À moins qu'on veuille s'inspirer de ce qui arrivait en Côte d'Ivoire. Mais sauf que Emel Sfaye faisait partie du staff. On n'est donc pas parti chercher quelqu'un qui ignorait les joueurs. Mais aujourd'hui, l'équipe du Cameroun n'a pas de sélectionneur. Où est donc parti le grand communiqué, le comité qu'on nous a dit qu'on créait? Samuel Eto'o nous a dit que c'est lui qui nommait le sélectionneur. Curieusement, on le voit beaucoup plus ailleurs, peut-être en train d'aller au Fécamp. Et par la suite, on voit des petites discussions, des petites disputes dans le gouvernement où on ne sait plus qui est qui. Paul Biya qui devrait nommer donc le sélectionneur, il est en train de dormir et tout dort. Un pays mort. Le Sénat a mort, vivant. L'Assemblée générale a mort, vivant. Le ministre des Sports, un demi-mort. Le Premier ministère, un demi-mort. Le président de la République, un quasi-mort. Et voici donc le Cameroun à l'état de mort végétatif. Rien ne bouge plus, rien n'avance. Même le seul domaine où parfois les Camerounais partaient prendre une petite consolation. Comment comprendre que les Lions ne puissent donc pas attirer un sélectionneur digne de ce nom? Comment comprendre qu'en cette période, les Lions ne puissent pas avoir accès à ce qu'on peut appeler une période d'essai? Il n'y en a pas. Le seul pays qui n'a pas organisé des matchs amicaux, c'est la RDC. Sauf que la RDC n'a pas enlevé son sélectionneur. C'est des sabres qui est là. Mais compte tenu que la RDC, c'est les Léopards, et de l'autre côté, au Cameroun, c'est les Lions, donc c'est presque les mêmes problèmes. Les problèmes de la brousse, les problèmes où il faut savoir qui est le plus fort, le problème où les fauves se mangent. C'est ainsi que justement aussi au niveau de la RDC, il y a un conflit entre le sélectionneur et le ministère des Sports. Et c'est exactement la même situation que nous avons au Cameroun. Et on peut donc comprendre pourquoi est-ce que ces pays n'avancent plus. Eux qui furent considérés à l'époque comme de grandes nations de football. Les Lions indomptables n'ont donc pas un sélectionneur. Et en pleine période de FIFA, on se permet plutôt seulement de regarder ailleurs certains qui peuvent venir jouer au pays sur des pistes caillouteuses, sur de l'argile, sur de la poussière. Les Lions indomptables, les voilà. D'autres, pendant ce temps, eh bien, ils font plutôt la une des réseaux sociaux en se querellant avec les activistes ou encore les influenceurs. C'est-à-dire que toute la semaine, on a vu et on voit encore un drôle de match qui se joue entre Moubagna, des Lions indomptables du Cameroun, et sociétaire de l'OM, Olympique de Marseille, et Valsero, cadre du MLC, activiste et aussi influenceur des réseaux sociaux. C'est une affaire qui pouvait passer comme ça juste pour une affaire de maillot. Mais sauf que Moubagna a préféré utiliser un avocat pour venir assigner, menacer Valsero. Et bon, comme d'habitude,
tout ce qui nous unissait, tout ce qui était notre socle, le football, le sport, eh bien, c'est reparti. Division sur division. Les provinciaux, c'est-à-dire que ceux qui sentent un peu qu'ils sont pro-tels, et les anti-valseaux, les pro-Moubaya, même ceux qui ne le connaissaient pas, et les anti-Moubaya. Nous y voici donc, dans un conflit qui pourtant ne devrait pas exister en ce moment où les autres sont en train de jouer au football. Nous, on est en train de jouer où? Nulle part. Bien évidemment, il serait incroyable quand même de continuer à soutenir Moubaya sous prétexte que Valsero a pris son nom et son maillot et il a demandé que Valsero ne doit plus jamais utiliser ça. Moi, je suis journaliste sportif. Je suis journaliste politique. Je suis journaliste culturel. Mais dans ces multiples domaines-là, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays de démocratie. Et nous savons que, comme soit Johnny Hallyday, comme soit Zinedine Zidane, comme soit Benzema, comme soit Didier Deschamps, comme soit même président de la République, on est critiqué. Un président ne va jamais dire « Laissez mon nom ». Puisque Emmanuel Macron, l'homme le plus ridiculisé en France, c'est lui. On est même allé jusqu'à le gifler. Tout le jour, on l'imite à TF1. Il est président de la République. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression permet à tout un chacun de dire un certain nombre de choses. Encore que Valsero n'a pas employé les injures contre son compatriote Moubaya. La seule chose qu'il a eu à faire, c'était d'aller dans une boutique parce qu'il est supporter de Marseille. D'ailleurs, mes enfants également, ils sont supporters de Marseille. Et ils achètent des maillots et ils floquent avec le joueur qui est beaucoup plus proche d'eux, dont ils sont fans. Valsero est allé acheter un maillot dans une boutique. Ce n'est pas Moubaya qui lui a offert ça. Un maillot, je crois, 120 euros. Après, simple hasard, il se trouve que parce qu'il fait le concert le 14 juin, eh bien, Moubaya porte le 14. Quoi de mieux? Nous ne demandons pas de vendre le pays, de faire ceci. Fallait-il qu'il achète un maillot de quelqu'un de notre pays? Non. Il a donc acheté cela, d'autant plus qu'il va se produire à Marseille. Jusque-là, je ne vois pas la faute. Qu'il soit anti-gouvernement, qu'il soit pro-gouvernement, qu'il soit pro-campo. Mais les lions indomptables et les joueurs sont des personnalités publiques. Et mieux, le maillot qu'il est parti acheter n'appartient pas à Moubaya. Il n'est pas parti voler chez Moubaya. Il est parti acheter avec son argent. Déjà que l'image de Moubaya n'appartient pas à Moubaya. Un joueur, quand il signe dans un club, c'est ce club-là qui maintenant gère ton image. C'est-à-dire que les droits d'image reviennent au club. Pourquoi? Parce que le club doit vendre les maillots.
Le club se dit donc, pour essayer de te rentabiliser, on va vendre tes maillots. C'est comme ça que Messi est venu au Paris Saint-Germain. Donc vous croyez que Messi va dire à moi, puisque je ne suis pas son ami, que toi, j'y vois de Bingono, si tu tentes encore de porter mon maillot, ou si tu tentes demain que tu vas voir ce que tu vas voir. Vous croyez que Messi peut dire ça? Vous croyez que un type comme Cristiano Ronaldo, quand il signe quelque part, on sait qu'on vend des maillots. On ne vend pas les maillots seulement à ses amis. C'est le club qui vend les maillots. Ce n'est pas Moubagna qui vend les maillots. D'où sort son avocat? D'où sort son avocat? Et nous aussi, on se met à dire là, oh, ce n'est pas possible, il ne doit pas étudier. Il a dit, laisse son nom, laisse son nom, laisse son nom. Donc si Paul Biya me dit là, laisse mon nom, je dois laisser. Hein? C'est ça, hein? Je n'ai pas le droit d'utiliser le nom de Paul Biya. Pourtant, je me lève le matin. Je brosse les dents en disant, ouais, le vieux Paul Biya, si, oh, yo, le un paresseux comme ça là. Je fais, on me donne même le petit déjeuner, je tape les mains, je dis, wow, le roi fainéant Paul Biya. Je suis en train d'aller à l'église. Pour aller prier, je dis, oh Seigneur, le roi fainéant Paul Biya. Est-ce que vous pouvez même faire que eux, ils puissent changer quelque chose dans notre pays? Oh, Paul Biya. Donc, vous croyez que Paul Biya va se lever pour dire que toi, Rémi Ngolo, puisque j'ai le même costume que toi, tu ne dois plus porter mon costume parce que moi, je suis supporter de Lyon Indomptable. Tu ne dois jamais supporter Lyon Indomptable parce que tu es l'opposant. Hein? Moubagna dit donc à Valsero de ne pas porter son maillot, de ne pas prononcer son nom. Et pourtant, Riolo, en français, ne fait que mettre le gars au sol. Il le repasse, il l'insulte, il le calomnie, il fait n'importe quoi contre lui. Riolo, qui est français, Moubagna a peur de lui parce que c'est un homme blanc. Mais Valsero, il se dit, c'est ici que je suis fort. C'est ici que je suis fort. Je vais te montrer ce qu'elle veut montrer. Voilà des comportements incroyables d'un joueur anonyme. Donc d'ailleurs, certaines informations font croire que c'est l'un de ses frères qui avait contacté Valsero pour qu'il soit mis en panneau. Qui connaissait Moubagna? Moi, honnêtement, oui, vous allez me parler de Glimt et consorts et tout. En tant que journaliste sportif, je ne m'occupe pas de lui. Je ne peux pas m'occuper des joueurs de seconde zone. C'est la vérité. Moubagna n'est pas le premier joueur à aller à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a connu des Camerounais. Il y avait Maya. Yemka Maya Joseph. C'était dans les années 70. Yemka est entré dans l'histoire de Marseille comme l'un des plus grands buteurs. On ne parle pas de lui. Il a inscrit 113 buts sous le maillot de Marseille. Je ne parle donc pas très loin. C'est d'hier. Peuvent se rappeler de Belle-Joseph Antoine. Il a été à Marseille, lui, il est arrivé là-bas quand il avait 31 ans. On croyait qu'il était fini, mais Belle s'est imposé comme le septième gardien de Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ceux qui ont fait plus de matchs, il était là, un leader. Et tous les Camerounais étaient contents de porter le maillot de Belle-Joseph Antoine. Belle n'avait jamais dit que, oh, comme vous ne m'aimez pas, oh, ou comme vous allez utiliser mon nom sur ceci, laissez mon nom. Hier, n'avait-on pas Nicolas Nkoulou, qui a joué plus de 237 matchs avec l'Olympique de Marseille? Nicolas Nkoulou, le toit
il était titulaire. On a eu Stéphane Biya. Tout le monde le connaît. Stéphane Biya, d'ailleurs, disait que Marseille, pour lui, c'est un tremplin. Et il a dit ça devant Didier Deschamps. Didier Deschamps, sachant qu'il est très, très fort, bon, il a quand même laissé Nkoulou, Mbia. Mbia a fait 102 matchs à Marseille, malgré ses déclarations, et 97 fois, il était titulaire. Titulaire! Parce qu'il valait quelque chose. On a vu Zambouanguissa. Il est passé par Marseille avant d'aller à Naples. Marseille, même si Marseille a remporté une Ligue des Champions, n'est pas un grand club. C'est le passé de Marseille qui fait que Marseille soit encore respecté et du cœur des Africains. Mais quand quelqu'un est à Marseille, même Drogba, ils s'en vont. Voir ailleurs. Marseille n'est pas la finalité. Ce n'est pas là où on trouve les meilleurs, les grands joueurs qu'on va dire, oh, Moubaya, il est fort, oh, ceci et cela. Non. Si vous enlevez les Zambouanguissa, vous allez voir des Camerounais qui ont aussi échoué là-bas. Donc, les saisons n'ont pas été très top. Moubaya n'est pas le premier. Cela même, par exemple, Tonton Dje, il a été formé à Lyon. Mais il allait à Marseille. Hein. Il a joué peut-être 87 matchs, il a inscrit 16 buts. Mais on a trouvé que c'était un flop. On peut même parler d'autres qui ont réussi et qui aujourd'hui resteront, même s'ils sont morts. Mbami était le cœur du jeu de Marseille. Parce que Marseille avait pris, il sortait du Paris Saint-Germain. Tout le monde était fier de porter le maillot de Mbami, qui pourtant sortait du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, vous me parlez de Moubaya. Moubaya qui est au banc. Qui est au banc. Mis au banc par le vieux Aubameyang. Tout le monde est devant lui. Et vous croyez que c'est une fierté que de dire que ne porte pas mon maillot, ne porte pas ton maillot que tu... C'est incroyable. Ah, peut-être parce qu'il a coûté cher. Hein? Ah oui. Ah, si on dépense 15 millions d'euros, mais on oublie que Marseille avait même vendu Zambouanguissa à 25 millions. À l'époque, hein? Mais Moubaya arrive là. Quelles sont les qualités de Moubaya? Sans sérieux. Même au Cameroun, il a été mis au banc. C'est Magui qu'on voyait là. Et aujourd'hui, on voit qu'à Marseille, depuis que Gasset est venu, le gars, il est en train de passer à côté. Et ça risque d'être l'épisode de Ndjamain. Hein. Les gens oublient que Ndjamain était arrivé à Marseille, je crois que à l'été 2022. 2021-2022. Mais Ndjamain allait où? Mais il n'avait pas de niveau. Il est parti. Si les médias, si vous n'êtes pas titulaire, si les médias ne peuvent pas faire votre publicité, au moins votre compatriote vient faire votre publicité. Vous dites que non, c'est que la CAN a fait qu'on fasse ma publicité. Il y a plein de gens qui ont connu une sélection et dont on ignore les noms aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés qui vous disent que Moubaya sera encore appelé. Plus il ne joue nulle part. Moi, j'ai entendu des vrais joueurs comment on chantait leur nom. Est-ce que les joueurs ont déjà dit que « Oh, ne chantez pas mon nom ». Bien au contraire, ils sont contents parce que ça fait partie du marketing. Mais le truc qu'on appelle Mbaya là, ou Mbaya, la seule fois que j'ai entendu un nom qui ressemblait à un truc là, c'était à l'époque.
C'est une chanson que nous on dansait, je ne sais pas où, au collège ou à l'école primaire. Attendez, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre. Peut-être que vous allez. Mbanya, mbanya. Mbanya, mbanya, oui, mbanya. Mbanya. Heba, l'ancien m'a posé. Mbanya. Mbanya. Il va porter plainte. J'appelle mon nom. Fais attention. Mbanya, mbanya. Ambanya, voilà un morceau. Le type la chante ton nom. Envoie ton avocat. Hey, 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 Ambanya. Ambanya, hey. Ambanya, Ambanya, Ambanya. Bon, ok, ok. Bon. Après ça, personne d'autre n'a jamais chanté ton nom. Voilà, c'est comme ça. Donc, des joueurs qui ont te dit, sois d'abord comme un athlète. Mbanya, Mbanya, il a le ventre comme le mien. Je n'ai jamais vu, mais le gars, il est costaud comme Ganou. C'est la boxe. C'est quoi? Le gars est musclé comme ça. On lui dit que non, essaye quand même de... Les gars disent que non, il est trop rapide. Oh yo, c'est le joueur le plus rapide de France. 36, il a été flashé à 36 km, 36, 37 km heure. Les gars, on veut les joueurs, on ne veut pas les sprinteurs, les coureurs. Mbanya, Mbanya ou Mbanya. Je ne me rappelle qu'un joueur qui était dans le tonnerre. On l'appelait Bouboule Ebongé. Ebongé, quand il traçait, papa, il débordait la ligne. La ligne qu'il dépasse le but. Il se retrouve devant les spectateurs, on lui dit que pardon, mais bon, tu es déjà arrivé, tu es déjà traversé pour le terrain. Calme-toi, calme-toi. Il dit, hein, c'est comme ça qu'il se... C'est donc comme ça, Mbanya, Mbanya. Faut le laisser, faut pas venir faire les trucs des villageois ici. Tu as vu quel joueur servir des choses comme ça? Parce que tu as entendu que, Mbappé, ou bien c'est notre cinquième homme comme ça là qu'on n'aime pas la démocratie. Que Mbappé a dit à celui-là qui s'est amusé avec le nom du kebab et tout, que non, il ne faut plus utiliser mon nom. Oubliant que les Mbappé, il y en a des millions, même au Cameroun, tu ne peux pas dire que n'utilisez pas mon nom. Tout ça parce que que vous voyez là, c'est parce que notre football est utilisé pour des règlements de compte. En réalité, quand on regarde les agissements de Mbanya, Mbanya, ce n'est pas lui qui le fait. C'est qu'il est poussé quelque part. Peut-être pas le nouvel exécutif de la FECAFOOT qui a des problèmes avec Samuel Eto'o. Enfin, qui a des problèmes avec Valsero. Parce que tout le monde sait que entre Eto'o et Valsero, c'est pas du tout beau. Et du coup, on se dit peut-être que Mbanya, qui n'est pas un bon footballeur, c'est bien que si Valsero continue à le vanter, à porter son maillot, Eto'o va dire qu'il ne vienne plus dans la sélection des Lions. Ça, c'est une analyse banale qu'on peut prendre comme ça. Mais en réalité, si vous regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Comment on va bâtir une équipe de Lyon? Avec d'un côté, les gens de Moïse Kombi. De l'autre côté, les gens de Samuel Eto'o. Comment va-t-on construire le Cameroun et une équipe? Comment va-t-on arriver à des réconciliations? Si chacun reste sur sa position, cherchant à poignarder l'autre dans le dos. Mbanya a été utilisé, mais je crois que ce qu'il ne sait pas tout simplement, c'est qu'il risque d'être pas une balle percée, mais une citrouille, voire un citron qu'on aurait coupé en deux. On prend des jus. On boit, et puis, on suce,
on se débarrasse de l'écorce. Et d'ici quelques mois, on n'entendra plus parler de Mbagna. S'il y a un sujet qui anime les Camerounais tous ces derniers temps, c'est aussi justement les propos de Kétia Cortès. Kétia Cortès, qui trouve le Cameroun très beau, et surtout les réalisations du renouveau qui sont au top. Le Cameroun est donc au top, selon le renouveau. Le bilan chez eux est très bon. Sauf que ça ne sent pas bon pour Kétia Cortès. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, beaucoup de reportages sont effectués pour comprendre cette phrase qui risque même d'être maintenant gardée quelque part à l'OAPI comme une invention à protéger. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Quand on voit la situation aujourd'hui du Cameroun, on peut donc se dire qu'en fait, on réalise qu'avant, on n'avait pas ouvert les yeux. Maintenant, on a ouvert les yeux. Et ça pleure de partout. Et s'il y a un domaine où le Cameroun n'avance pas, c'est justement sur l'état des routes. C'est là où Kétia Cortès devrait agir. C'est là où Nganou Djoumessi devrait nous monter leurs compétences. Mais jamais des ministres n'ont été aussi incompétents, n'ont été aussi maladroits et n'ont autant créé de problèmes à Biya. Nganou Djoumessi avait trouvé comme particularité une grande créativité, une inventivité d'un autre genre en nous inventant les péages avant les autoroutes. Cette fois-ci, Kétia Cortès, elle est venue nous dire que ce renouveau avait les meilleures infrastructures. Or, le Cameroun aujourd'hui ne peut pas être considéré comme un pays en voie de développement, comme par exemple Richard Bonnat nous a fait sortir une statistique incroyable. Que le Cameroun en 61 était considéré par la Banque mondiale comme futur pionnier de l'Afrique. Par le potentiel qu'on avait. Non seulement les richesses naturelles, mais aussi on regardait les réalisations de l'ancien président. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état de délabrement du Cameroun, on devrait quand même se dire, Monsieur le Président Paul Biya, qu'avez-vous fait pour votre pays? Vous qui saviez pourtant que la route passe, le développement suit. Aujourd'hui, on dit que Kétia Cortès est en train de pleurer auprès de Chantal Biya. Elle est en train de collecter des photos pour envoyer la présidence pour soutenir. Que oui, elle a beaucoup travaillé. Voilà le nouveau travail de Kétia Cortès. Tromper Paul Biya avec des photos, avec des fausses routes. Et c'est déjà arrivé sur la table. Parce que Chantal Biya défend cette bandite en disant que c'est elle qui a le plus travaillé. Qu'aujourd'hui, Maroua est moderne, Garouane moderne, toutes les villes sont modernes, qu'il ne faut pas écouter le sabotage qu'on est en train de faire. Voilà donc comment est-ce que Kétia Cortès cherche à sortir de l'affaire. Eh bien, le Cameroun est donc une merveille, puisque d'ailleurs dans le classement, qui paraît un peu comique, il semble même que Yaoundé est devenu la ville la plus belle. Mais bon, tiens, pour l'instant, voici certaines images que Paul Biya ne va pas voir lorsqu'on va
classeur au Cameroun, qui aujourd'hui, justement, me dit-on, peut être le pays le plus beau d'Afrique. Ah oui, vous dites que nous, on ne vante pas notre pays. On vante bien notre pays. Notre pays est magnifique, il est très beau. La preuve, suivez donc ce nouveau classement. Top 5 des plus belles villes d'Afrique. En cinquième position, on a le Cap en Afrique du Sud. Ah. En quatrième position, on a le Marrakech au Maroc. En troisième position, on a Nairobi au Kenya. Peut-être au Cameroun est déjà. Peut-être au Cameroun est déjà. En deuxième position, on a Lagos au Nigeria. Et en première position, on a Yaoundé. Yeah! On a gagné! On a gagné! On est premier! Hein? C'est quoi? Hein? Non, ça c'est au Mali. Ça c'est au Mali! Les gens aiment nos sabotages. Hein? Ils parlent quelle langue? Il parle la langue de Paul Biya. Ça c'est les routes nouvelles technologies. C'est le volcan qui sort sur la voiture là. Mais ça c'est la sauce d'arachide ou quoi? La fille ici, avec tes options comme ça, là, tu fais dans la boue, tu fais dans la sauce. Voilà. Nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala pour ce joyau architectural que nous vivons ici, que nous avons ici là. C'est l'art municipal dont on nous a doté. Ici actuellement, ce n'est plus que les banques publiques pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Parce que ce qui se vit ici au quotidien, c'est un spectacle grandeur nature. Donc nous n'attendons plus que les chaises, les bancs publics et tout. Et à partir de là, on va faire de ce lac un espace public pour les enfants, où les gens pourront même payer pour vivre le spectacle. Ça continue le même scénario, ça continue. Le nouveau, c'est un poil bien. Tout est barré. Voilà le nouveau, c'est un poil bien. Nous sommes déjà cette fois-ci à la gare de Mandjab. Le scénario continue, tout est bloqué, rien ne doit bouger. Ce que déclarent les populations de Mandjab. Pareil comme à Sotibanga tout à l'heure, ils disent qu'ils en aient ras le bol de voir toujours la même chose, le même train qui est négligé. Comment les gens peuvent faire 48 heures dans un train sans avoir même de l'eau à boire? Vraiment, c'est compliqué. Ils ont dit qu'ils sont fatigués. Cette fois-ci, Camara, il doit donner une solution. Il doit leur donner une solution. Vous voyez dans les wagons partout, c'est la souffrance. Les gens sont là, des malades. Tout le monde est là et c'est la souffrance. Ils nous font continuer. Les vieilles personnes sont dans le train, les bébés, tout le monde souffre. La situation est telle que vous voyez. C'est telle que vous voyez. Et cette fois-ci, la population décide qu'il faut automatiquement qu'il y ait une suite vraiment
à ce mouvement. Ils veulent une suite favorable. Ils ne veulent plus continuer à être méprisés, comme d'ailleurs on l'a constaté. Depuis des années, la priorité est sur le train marchandise et encore plus ce prestige qui est venu. Le train qui porte les riverains sur le passage, il est négligé. Il est négligé. Nous battons à 7h30 à la gare de Douala. Jusqu'à ce qu'on te regrette, on regrette un dictateur. Non, il y a deux jours après. Mais entre-temps, on regarde quelque part, entre-temps, les autres trains qui évoluent. On les laisse passer, on les laisse passer. La priorité est déjà à ces trains marchandises. Et celui-là qui porte les riverains, qui porte les populations, on le néglige. C'est pourquoi la population dit qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous nous dites en compte tenu de cette situation qui se passe ici sur la voie ferrée? Quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions que vous pouvez nous donner? Voilà le Cameroun qui est beau. Ça, c'est le Cameroun qui est beau. C'est pas bon. Mais Cameroun qui n'était pas à l'Assemblée, c'est ça qui partait résoudre les problèmes là-bas. À l'abbé, quoi? Tu peux venir m'expliquer. Donc ça continue comme ça le mouvement, ça continue, nous voulons un changement sur notre rail, nous voulons un changement, ça va un peu, partout, ça va de ce côté, nous voulons un changement, la source, madame, puis aussi le gouvernement. Cette route sera bouchonnée avec des trains. C'est-à-dire d'ici 2022, ça sera bouchonné avec des trains. Nous sommes en 2019. Si pas au marché, sera bouchonné. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Voici Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain en visite de travail à Kribi. D'après l'annonce officielle, dans ce chantier, les ouvriers et même l'entrepreneur semblent bien assidus au travail. Madame le ministre fait quelques remarques de routine relatives au respect des délais d'exécution. Malgré l'enthousiasme qui anime la délégation ici, certains villageois restent indignés. Je signale Nicolas, je suis autochtone de ce village. Tout ce que les gens se sont en train de faire, c'est le folklore. Ils n'ont jamais et jamais rien travaillé. Ce n'est pas parce que Madame le ministre est là aujourd'hui qu'ils vont venir mettre leur gros choisir. Paul Biya, il faut regarder Brenda, envoie la vidéo à Popol. Il est en train de dormir là. Le nombre des choses. Ce que ces gens se sont en train de faire, c'est le vol. On ne veut pas ça chez nous. Nous, on veut que tout aille bien. Parce que nous sommes dans un pays là où on veut l'émergence. Au lendemain de la visite de Madame le ministre, Sylvie, plus d'ouvriers et plus de travail dans les chantiers. Elle a fini son théâtre. On ne peut pas se développer avec les mises en scène, avec le théâtre. Ici, à cet endroit même, hier, vous avez vu une foule ici. Le ministre du Développement Urbain d'Habitat était ici. Avec toutes les autorités de la ville, vous avez vu le chef de ce chantier, l'entreprise en charge de ces travaux, le responsable était sur place, les ouvriers s'affairaient. Et qu'est-ce que vous voyez 24 heures après? Merci. Ça prouve que tout le monde s'est mis en place pour présenter des faits. Vous voyez ce que Courtès fait aux Camerounais, alors que la réalité c'est que c'est ce marché qui a été passé à Yaoundé depuis plusieurs années est en fait arrêté. Sur le terrain, les travaux n'avancent pas. La preuve, nous sommes bien un jour ouvrables et nous sommes sur le site où il y avait des ouvriers hier. Il faut essayer de regarder derrière moi, en arrière-plan, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, en conclusion, il faut que les gens, les Camerounais deviennent de plus en plus sérieux, que les gens attachent de l'importance à ce qu'ils font et qu'ils comprennent que le développement est une affaire sérieuse et pas une affaire de blagueur. Le premier marché public abandonné ici date de 2017. Il consistait à revêtir cet axe routier. Vous ne remarquez même pas qu'il y a un stockage de matériel
qui provoquent ici que les travaux vont continuer. Toutes les routes là. Le sable, on prend maintenant, on filme les routes maintenant au Rwanda, on envoie à Bolivia. On dit que c'est Ketia Koutes qui a fait ça. Le second marché public date de 2020. Tous deux avaient un délai d'exécution de 4 mois. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Et la pierre était quoi avant? Voilà. Cette femme mérite la prison. Elle mérite la prison. Ce que Ketia Koutes est en train de faire pour se maintenir au pouvoir avec la complicité de Chantal Biya, car elle a lui enlevé l'épine de son pied en assassinant le ministre Ndoké. Combien de marchés cette femme a donné de gré à gré, mais qui ne sont pas réalisés? Mais c'est elle qui fait beaucoup plus de bruit dans notre pays. C'est elle qui est partout, à gauche, à droite. C'est elle qui met l'huile sur l'incendie. Une chose est sûre, c'est que même ces documents qu'on a envoyés à Biya, tous les montages qu'on a fait avec les faux témoignages sur la table de Biya, qui a demandé que qu'est-ce qui se passe, même qu'est-ce qui se passe, je ne sais même pas que... Cette fois-ci, Biya va regarder cette autre vidéo. Le Cameroun, on nous dit, il est beau. Oui, il est magnifique pour eux. Parce qu'ils vivent bien. Mais s'il faut regarder les autres Camerounais, comment ils sont dans la galère pour joindre les deux bouts. L'eau n'y a pas. L'électricité n'y a pas. Mais les gens vous disent que oh, nous sommes dans le continent le plus beau. Ce n'est pas moi qui dis. Voici le classement des 10 pays les plus heureux d'Afrique en 2024. Ne regardez pas la parodie qu'il y avait là de ce jeune homme au début. Le Cameroun ne peut même pas être classé à côté. Et quoi? Voici le classement des 10 pays les plus heureux d'Afrique en 2024. Peut-être que vous serez surpris que dans un pays où il y a la guerre, les gens sont encore beaucoup plus heureux là-bas. Comme la Libye. Ça, c'est le classement de World Happiness Report. 2024. 66e au monde. L'île Maurice, 70e. Deuxième pays le plus beau. Enfin, là, il fait beau de vivre. Là, les gens sont heureux. Afrique du Sud, 3e. Au classement mondial, 83e. L'Algérie, 85e. Au 4e sur le plan africain. RDC, 89e sur le plan mondial, mais sur le plan continental, 5e. Mozambique, 90e sur le plan mondial, 6e sur le plan continental. Au petit Gabon, là, à côté de nous, est 95e mondial, 7e en Afrique. La Côte d'Ivoire, qu'on engueule là. Oh, est-ce que vraiment, vous savez, Ouattara n'a rien fait. La Côte d'Ivoire est 8e. Là où les gens sont heureux. 96e mondial. Sénégal. Là où maintenant les panafricains et panafricanistes camerounais n'ont que leur bouche pour parler. Que oh, Macky Sall, oh, il faut ceci, oh, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a des infrastructures. Allez voir le nombre d'infrastructures qui ont été construites par Macky Sall. Le Sénégal est 10e et 99e. Les pays en lice sont sélectionnés sur la base des critères tels que
le PIB, l'aide sociale, l'espérance de vie, la liberté de choisir, la générosité de la population et les niveaux de corruption perçus. Voilà. C'est donc un classement concret. Laissons donc la publicité de dire que nous sommes dans un continent. Nous sommes dans un continent où les ministres sont juste des voleurs, sont des grands bandits. Les Kétia Kouté, c'est comme ça. Si c'est pour ce hit parade là, le Cameroun est premier mondial. Les ministres du Cameroun sont les plus grands voleurs de la planète Terre. C'est du jamais vu. Vous vous rendez compte que vous voyez tout simplement l'engano du Messie est comme ça, mais moins les combis dont on parle là. Vous vous dites peut-être que le ministère des Sports n'a pas assez d'argent. Mais regardez ce que Moué le Combi fait. Mais le Combi, il est supporté par beaucoup de gens. Et il fait même semblant de vouloir contrôler les fonds de ceci et de cela. Alors que voilà un ministre qui est milliardaire. Il est milliardaire. Rappelez-vous l'année dernière. J'étais en train de vous rappeler encore. Enfin, rappelez-vous l'année dernière, j'étais en train de vous diffuser l'interview d'un de ses employés. C'est quelqu'un qui faisait le ménage chez lui. Benjamin Rim. Ce Benjamin Rim est allé en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait pris, selon lui, 110 millions dans l'une des cachettes de la maison de Moué le Combi. 110 millions. Moué le Combi avait couru. Parce que l'affaire date de 2019. Mais là, ça passait au procès. C'est pour ça que je vous dis que l'année dernière, que je vous ai parlé de ça. Nous étions justement au mois de mai. Il travaillait chez Moué le Combi depuis 4 ans. Et il était payé à 35 000 francs CFA. Parce que ces gars, ils sont tellement égoïstes. Son homologue, Grégoire Rodin, nous disait que le SMIC au Cameroun, c'est 36 700. Mais Moué le Combi ne payait même pas à ce garçon le SMIC. C'est lui qui devait laver ses caleçons, devait faire le ménage, devait laver les voitures, devait faire ceci, devait faire cela, Rim Benjamin. Et par la suite, Moué obligeait ce garçon-là à faire des volets et des aventures nocturnes avec lui, sans caleçon. Le gars d'aujourd'hui était bien fatigué. D'autant plus que toutes les promesses étaient tombées dans l'eau. Lorsqu'on a pris ce gars, Moué le Combi a osé dire que c'était 80 millions qu'on a volé. 85, d'abord il a dit 85 millions, puis il est descendu à 70 millions. Le gars lui, il a dit au tribunal que c'était ni plus ni moins que 110 millions qu'il avait ramassé dans la maison, parce que chaque soir Moué le Combi rentre avec des liasses de millions. Des liasses de millions. Le gars avait donc appelé un de ses voisins. Et puis, pendant que Moué le Combi était au village, il a chargé dans le taxi. Moué le Combi habite en balade vers le carrefour Jameau. Il a bien choisi là-bas. Parce que vraiment, il n'est pas très loin d'être fou. C'est là-bas où il habite. Où il organise ses partous avec des garçons. Mais ceux-là qui sont chez lui, ils sont traités comme aussi des esclaves. Il abuse d'eux sexuellement. Voilà comment est-ce que ce monsieur, ce garçon de Rim Benjamin, avait été arrêté. Quand il est arrêté, il est envoyé à Kondengui. Eh bien, en 2021, lorsque le procès passait le 19 octobre, plus précisément 2021,
Le garçon est à la barre. Le garçon dit au président du tribunal, oui, je reconnais que j'ai pris de l'argent. Mais ce n'était pas 70 millions, ni 85 millions. C'était 110 millions. Et j'ai donné à celui qui m'a aidé 20 millions, plus 200 000 pour la course de taxi. Je l'ai fait parce que je travaille comme un esclave et parce que je vois des liasses d'argent arriver tout le temps à la maison. Moi, le commis avait dit que ce garçon avait cassé son coffre-fort et qu'il avait retiré cet argent-là, défoncé les portes. Or, moi, le commis a chez lui les policiers et consorts qui participent d'ailleurs avec lui dans les parcours. Voilà ce moi, le commis, que le petit garçon l'a dit. Mais monsieur le président, pourquoi vous ne demandez pas à monsieur le ministre la provenance de ces fonds? Le président lui a dit, tais-toi, tais-toi. On n'est pas venu parler de ça ici. Il a dit, mais cet argent, vous êtes sûr que c'était son argent? L'argent était à la maison. Tout le monde pouvait se servir. Donc, moi aussi, je me suis servi puisque tout le temps, il y avait des sacs et des sacs d'argent et puis il disparaît avec ça. Le juge a trouvé que ce n'était pas bon de poser cette question. D'autant plus que moi, les combis n'étaient pas là, mais son avocat était là. On pouvait moi lui poser cette question-là. Que, où, quelle est la provenance des fonds? Comment un ministre, un seul, peut avoir chez lui plus de 100 millions? On dit que ça, c'est une seule cachette. Hein? C'est pas ailleurs. Parce que partout ailleurs, c'est des milliards et tout ça. C'est pas interdit d'avoir de l'argent, mais la réglementation au Cameroun dit que lorsque vous avez des sommes consistantes, vous devez faire une déclaration. C'est-à-dire que ça, c'est la loi du Cameroun. C'est la loi du Cameroun qui le dit. Pour un ministre, tu dois dire la provenance et au-delà de ça, si c'est une succession, or, il n'a succédé à personne. C'est l'argent du pays qu'il n'a fait que voler à travers les rétrocommissions de cette histoire qu'on appelle le stade Paul Biya. Le stade Paul Biya n'est pas fini. Mais moi, les combis a volé des millions et des millions en nous faisant comprendre qu'on change maintenant Pichini, on revient avec Maguil, on fait ceci, on lui donne les rétrocommissions derrière qui se partagent avec Ngongo. Le gars est en prison. On ne sait pas s'il sortira de là. Parce que jusqu'à présent, Mouele Kombi a dit qu'il va mourir là-bas. On est encore sur ça. Nous avions entendu il y a quelques jours que dans le bureau de Mouele Kombi, il y a eu vol de 350 millions. Et le gars, comme avec bien évidemment aussi son employé, Rim Benjamin, il avait d'abord nié. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne reconnais pas ça, faites le communiqué, rien n'a disparu chez moi. Or, nous avons mené des enquêtes et nous trouvons effectivement que il y a eu des auditions là-bas. Où on dit que Mouele Kombi a bel et bien perdu plus de 350 millions, rien que dans son bureau. Dans sa maison, ce gars qui avait pris les 110 millions là, qu'ils ont d'ailleurs récupéré parce que les gendarmes ont aussi pris leur part, hein? C'est comme ça. Et il y avait les bombes de carburant. Chez lui à la maison, plus de 15 millions de bombes de carburant. Et on nous dit de réduire le train de vie de l'État. Voilà donc des ministres que certains défendent, qui prennent comme des modèles. Que oui, moi les combis. Regardez, à peine on parle de la disparition de 350 millions. Ce qui se passe dans une brousse. Au moins, les va enterrer des milliards. Je vais juste vous présenter une image de son aquarium, de son paradis, où vous allez voir. C'est un ministre, il est parti construire un village à lui seul. Moi, les combis. Un village à lui seul, pour lui seul. C'est... Je crois que je vais trouver ça quelque part là. Admirez donc, moi, les combis.
ministre de la République, ministre des Sports, l'homme qui chaque année se fait voler des centaines de millions. Regardez, seulement, j'ai pris seulement au niveau de l'écran. Parce que tu ne peux pas tout filmer là-bas, il y a tellement de vigiles, il y a les gardes, il y a ceci et cela. Regardez le paradis de Moué Lekombi où il va enterrer notre argent. Ça, c'est... Comme je disais tout à l'heure, ça va pouvoir appeler ça, hein, le voile et tout, mais... Comme vous voyez, c'est... Bon, il y a peut-être quelqu'un d'ici là pour nous expliquer. Et c'est tout simplement une autre dimension aussi. Le projet, on va nous expliquer. Tout un circuit, je veux dire. Vraiment, c'est... Non, c'est... Tout ça là. Là-bas derrière, on construit des châteaux et des châteaux. Pour un homme qui n'a même pas de femme. Il n'a que des hommes. Et avec ça, Paul lui a dit rigueur et moralisation. Paul lui a nous dit serrons les ceintures. Paul lui a augmenté les prix de carburant. Maintenant même, on dit que même le certificat médical est parti, est passé de 900, de 900 à 4000. Mais attendez! Tout augmente. Mais les ministres s'enrichissent, ils s'en foutent éperdument. Et vous, pendant ce temps, vous allez dire quoi? Vous ne savez pas que ce que ces gens sont en train de faire, c'est contre vos enfants. Vous ne savez pas que ces gens, ce qu'ils sont en train de faire, après avoir volé tout ça, ils vont laisser le pays à feu et à sang. Et pendant ce temps, certains opposants sont en train de raconter qu'ils ont créé des associations de ceci et de cela pour le peuple. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin de chasser ces gens. Ils sont dangereux. Moi, Lekombi doit aller en prison. Il doit s'expliquer sur cet enrichissement. Dites-moi, un ministre, ça gagne combien? Ça gagne combien? Comment peut-il être riche un peu partout? Il a les investissements. Tous les ministres de Biya, mais c'est quand même terrible. On dirait qu'on injecte ça. À quoi sert le TCS? C'est bloqué. C'est-à-dire que quand tu veux dire un petit machin là, que tu, on voit que tu veux déjà aussi guetter la place de... Allez, on dit prenez-le, on présente tel comme étant le plus grand bandit. Alors que les plus grands bandits sont dans ce gouvernement. Les Ganou Tchoumessi, les Kétia Koutès, les Moué Lekombi. Voilà des bandits. Vous devez noter leur nom. Demain, quand ça va changer, allez directement récupérer leurs biens, leur maison. Parce que ce n'est pas eux. C'est à vous. C'est à nous. Ah,
des gens qui attendent quoi là. On vient sur le dossier Ndjitap après. Ndjitap, un tap ballon. Ndjitap, on va arriver après, on va arriver après. Parlons d'abord des choses de notre société et qui ont beaucoup nuit et nuisent beaucoup à notre avenir. Le gouvernement attend donc la déclaration de la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle. Ça ne fait pas de doute. Paul Biya va briguer un nouveau mandat. Et d'ailleurs, lorsque Kétia Courtès a commencé ses pérégrinations, c'était dans le but de lancer déjà ce qu'on peut dire l'avant-match, avant le grand match. Paul Biya fera donc tout pour pouvoir mourir au pouvoir et nous laisser un beau soir comme ça en train de nous entretuer, pas nous, mais d'abord ceux-là que lui-même il a créés, qui sont de véritables monstres. Malheureusement, au moment où on devrait être conscient, prendre conscience que l'heure est grave. Au moment où la société civile, l'opposition doit s'unir, on trouve toujours quelques rigolos qui viennent avec des discours hypocrites, qui viennent vous mentir, qui viennent nous séduire, en fait pour nous détruire. Détruire l'opposition, détruire quelque chose qui peut apporter la cohésion et surtout éviter que une personne ressource puisse avoir une certaine émergence. Depuis un certain temps, nous sommes avec deux coalitions qui jouent au ping-pong. D'un côté, Jean-Michel Lithieu qui a créé l'APC. L'APC est né en décembre 2023, après la convention réussie de Maurice Kamto au Palais des Congrès. Quelques temps après, eh bien, Olivier Billet, lui aussi, est venu, pas maintenant avec l'Alliance pour le changement comme on voulait, mais cette fois-ci, lui, il a parlé de transition. Et rapidement, il est déjà accueilli sur les plateaux de télévision. Et son seul ennemi, c'est qui? Ce n'est pas le gouvernement. Ce gouvernement qui ne nous donne pas les emplois. Ce gouvernement qui ne nous donne pas les médicaments. Ce gouvernement qui ne donne pas les emplois aux enfants. Ce gouvernement qui a laissé la dépravation des mœurs. Ce gouvernement qui a créé le vol du milliard. Non. Son problème, c'est plutôt le MRC. Vous avez donc suivi certains passages d'Olivier Billet parlant qu'il avait déjà réussi à créer une fusion autour de lui avec des grands noms, avec beaucoup de partis politiques, avec la société civile. Et d'ailleurs, il avait sorti un rapport le 7 mars où il donnait donc certains noms. Et boum, qu'est-ce qu'on voit? Le même Olivier Billet, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que il a juste fabriqué quelque chose pour contrecarrer la candidature de Maurice Kamto qui, à travers l'APC, voudrait réussir, réunir autour de lui des forces politiques, des forces syndicales, de la société civile. Mais malheureusement, lorsqu'on voit les attaques de Olivier Billet, c'est plutôt directement contre le MRC qu'il a trouvé comme une coquille vide. Coquille vide, peut-être que Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir être l'homme le plus populaire. Mais Olivier Billet,
faut-il le dire, d'après ce que nous découvrons maintenant, c'est que ce n'est même pas son idée. Cette histoire de transition serait née, si l'on en s'en tient, aux déclarations de Valère Bessala, à une réunion qu'ils auraient tenue, et ils ont décidé qu'ils devaient réunir une trentaine de partis politiques et autres associations pour créer, bien sûr, ce qu'ils ont appelé le... comment ils ont appelé ça? Alliance pour la transition. Appelons ça comme ça. Mais on se rend compte que ce qu'ils ont appelé opus en abrégé, pendant qu'ils étaient en train de travailler sur ça, ils ont donc vu Maurice Kamto. Ou alors ils ont vu Jean-Michel Nietzsche venir. Et directement, parce qu'ils avaient des objectifs. Et parce qu'ils étaient, parce que Olivier Billet, lui n'a pas dit aux autres que c'est Etoudi qui lui demande de venir faire ce travail de sabotage. Eh bien, il est donc parti avec leur nom. Oh, je suis avec tel. Oh, je suis avec tel. Et les voilà déjà, subitement, comme ils découvrent qu'il y a eu le bombo, ils n'ont pas eu, chacun commence déjà à dire, moi, il n'était pas là-haut, je ne suis pas là-haut. Et les Milomé, le détracteur de Maurice Kamto, avec la Bible en main, l'homme qui ment en jurant, le voilà qui vient dire que lui ne connaît même pas Olivier Billet. Alors que tout le monde a vu les photos entre ce monsieur-là et Olivier Billet. Et c'est lui-même qui a fait un post pour nous dire que faites quoi. Si j'entends qu'il y a une autre coalition en dehors de celle d'Olivier Billet, vous allez me voir comment est-ce que je vais moi-même intervenir. Je vais vous donner le coup de que ceci et cela. Le gars a menacé. Mais aujourd'hui, le gars dit que, quoi? Olivier Billet, c'est qui? Moi, je ne le connais même pas. On n'a jamais parlé d'une transition de ceci et cela. Et comment on lui montre la photo? Il dit, oui, je me souviens, il semble que je dormais un peu. Mais ouais, vraiment, le problème que j'ai là, quand... Vous savez qu'il fait chaud à Douala, il fait chaud à Douala. Et puis même quand la pluie tombe aussi, ça vient embrouiller tous les esprits là. Je crois que le jour-là, on avait tenu une réunion à 12. 12, c'était même une conférence virtuelle comme ça, là. Je ne sais même plus qui était là. Donc moi, je n'avais même pas entendu parler de transition. Hein. Je n'avais jamais entendu parler. Il nie déjà à Info TV. Comment un père, comment vous voulez donc prendre des gens comme ça au sérieux? Que vous allez dire que ce sont des opposants. Ils ne sont plus là. Olivier Billet nous avait dit que il était avec Hilaire Kanga. Hilaire Kanga dit que le père, je te connais où? On s'est vu, oui, mais je crois qu'on s'est salué. Ou bien on avait pris le pop-corn quelque part là, boum, tu as voulu filmer, mais je n'étais même pas là. Maintenant tu dis que je suis avec toi. Moi je ne suis plus là, je ne suis pas là. Et il y a l'autre qui nous disait tantôt, et qui d'ailleurs a jeté le doute sur la force du professeur Maurice Kamto, à savoir Henriette Ekoué. Henriette Ekoué, cette fois-ci, elle a fait un rétro-pédalage pour nous dire qu'elle ne fait pas dans ce mouvement-là. Et maintenant, même elle plébiscite le MRC, que pourtant elle demandait il n'y a pas très longtemps, à Maurice Kamto d'aller la voir pour lui donner des cours. Écoutons le changement de rythme, de fréquence, de son de notre grande sœur Henriette Ekoué, que nous respectons beaucoup. C'est donc dans l'APP, il n'y a pas cette force politique qui peut porter. Je ne l'ai pas senti. Il est au micro, il est au plateau de Romaric Kenda. J'ai vu un tel, oui. Mais quand vous avez vu des individus, est-ce que c'est des forces? Non, du tout. Voilà. Donc, vous croyez que quand on a fait les villes mortes pendant 6 mois, il y avait des forces politiques derrière? Et aussi, en fait, sur quelle base est-ce qu'on peut proposer une alliance pour une transition politique? Est-ce que quand on parle de... à quel moment peut-on véritablement parler de transition politique? Le Cameroun, par exemple,
n'est pas un État qui est en guerre civile, parce que sachant que le président soit dans un État de sécurité, mais qui est coup d'État, à quel moment peut-on parler d'alliance pour une transition politique? Non, c'est-à-dire que les acteurs politiques sont dépassés. Que je dis ça comme cela. Parce qu'au fond, on n'arrive pas à battre le président Biya dans les urnes. Ah bon? Donc, la plupart des acteurs politiques aujourd'hui ont décidé, d'après ce que Olivier m'a dit, ils ont décidé maintenant de faire tout pour dire, pour ne pas effrayer le chef de l'État, pour lui dire que toi-même tu peux conduire cette transition, on est derrière toi. Mais encore faut-il que le président de la République ait décidé que l'ère de la transition a sonné. C'est pas la première fois. Donc ils ne veulent pas effrayer Paul Biya. A réuni quelques-uns politiques vraiment pour dire que la transition. Mais encore faut-il que tu puisses la faire. Donc dans tout ce qui se fait là, et l'alliance de dissidents, parce que Jean-Michel Nietzsche est un dissident. Je voudrais qu'on en parle justement, l'APC, l'alliance qui est portée par Jean-Michel Nietzsche et qui voudrait confédérer les membres de l'opposition et les acteurs de la société civile qui se mettent ensemble pour porter le candidat Maurice Kamto. Que pensez-vous de cette alliance également? Bon, cette alliance, moi, elle ne me surprend pas. Parce que quand Joshua aussi a porté la candidature du SBF en 2018, je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de lui. Oui. Quand on était dans la campagne de Frondi, quand il montait sur le podium, il y avait tous les alliés autour de lui. Oui. Et quand Joshua aussi est venu me voir, j'ai dit que mais c'est quand même curieux. Je t'ai vu monter sur le podium toujours seul, comme s'il n'y avait même pas une direction avec des personnalités fortes, comme la direction du SDF. Oui. Il m'a dit que c'était ça, et ça c'était une des déceptions aussi de Frondi à l'époque. Il m'a dit, quand j'ai vu comment Joshua battait campagne tout seul, sans toutes les forces de mon parti, je sais que ce gars était peut-être déjà ailleurs, peut-être. Bon, c'est ce que Frondi vous a dit. Oui, ce n'est pas prouvé, mais c'est ce que moi j'ai vu aussi. Ceci étant, oui. Ils sont quand même allés, il y a eu un NEC, etc. Des décisions ont été prises. On a porté Joshua à la tête du parti. Ce qui n'était pas du tout accepté par d'autres. Ce n'était pas accepté. Le fait même qu'on l'ait désigné candidat, c'était en février 2018. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres étaient contre. Ça, c'est arrivé donc. Il faut espérer que le FCC a apporté au moins une partie de l'électorat du SDF. Oui. Auquel cas, cette force va renforcer le MRC, qui est debout. Hein. Le MRC n'a pas de problème, n'a pas de dissident, n'a rien. Il est debout. Vous entendez? Ceux-ci vont apporter leur force. Regardez bien la personne qui parle. La force des élus, qui ont donc un électorat confirmé, qui vont pouvoir apporter à l'autre. Après, ce seront donc les forces politiques qui voudront se greffer à cette alliance. Mais celle-ci a plus de... poids sur le plan politique. A plus de poids sur l'ATP. Que l'ATP. Bon, ATP, mais où est Olivier, il est présidentielle de 2018. J'ai entendu, non. Jean-Michel apporte aussi une force. Tout à fait. Et non des moindres, une partie de la force du SDF. Celle-là porte les armes d'un changement possible par l'électorat et de Maurice Kamto à la présidentielle et des élus du FCC qui sont de véritables barons dans leur région, comme Nietzsche, c'était le baron du SDF ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Donc, vous êtes d'accord? Celle-là porte les armes. Envoyez le cœur, envoyez le cœur.
Celle de Olivier, j'ai vu beaucoup d'individus contactés, mais ces individus-là... Tu résumes donc dans l'APP, il n'y a pas cette force politique qui peut conduire... Je ne l'ai pas senti. Voilà. Olivier m'a dit, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Oui. Mais quand vous avez vu des individus, est-ce que c'est des forces? Non, du tout. Voilà. Donc, vous croyez que quand on a fait les villes mortes pendant 6 mois, il y avait des forces politiques derrière. Et aussi, en vrai, des questions. Est-ce qu'on peut proposer une alliance pour une transition politique? Est-ce que quand on parle de... à quel moment peut-on véritablement parler de transition politique? Le Cameroun, par exemple... Écoutez, c'est la dernière question. Hein. Après, on passe à autre chose. Que le président soit dans un état de priorité, beaucoup d'État. Ou bien qu'il y ait beaucoup d'État. À quel moment peut-on parler d'alliance pour une transition politique? Non, c'est-à-dire que les acteurs politiques sont dépassés. Que je dise ça comme cela. Parce que les acteurs politiques sont dépassés? On n'arrive pas avant que le président vienne. Mais parce qu'ils volent. Non. Ils volent les élections. Non. Mais comment est-ce que tu fais les urnes? Les urnes, c'est un braqueur. Ont décidé, d'après ce que Olivier m'a dit, ils ont décidé maintenant de faire tout pour dire, pour ne pas effrayer le chef de l'État, pour lui dire que toi-même tu peux conduire cette transition, on est derrière toi. Vous entendez ça? Voilà l'opposant qui propose que c'est Paul Biya qui doit encore continuer. La transition a sonné, c'est pas la première fois. Madame Kawala a réuni quelques hommes politiques pour dire qu'on va faire la transition. Mais encore faut-il que tu puisses la faire. Donc, dans tout ce qui se fait là, et l'alliance de dissidents, parce que Jean-Michel Nitu est un dissident. Je voudrais qu'on en parle justement, l'APC, l'alliance qui est portée par Jean-Michel Nitu et qui voudrait qu'on fédère autour de confédérer les membres de l'opposition et les acteurs de la société civile, puissent à ce qu'ils se mettent ensemble pour porter le candidat de Yves Kanto. Que pensez-vous de cette alliance également? Bon, cette alliance, moi, elle ne me surprend pas. Parce que quand Joshua aussi a porté la candidature du SDF en 2018, je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de lui. J'ai fait que ça revienne pour que vous compreniez. Ici, elle révèle ce que j'avais déjà dit. On ne peut pas dire qu'on va faire la transition avec Paul Biya. Mais nous sommes où? Mais tu fais la transition avec Paul Biya. Cela veut dire tout simplement que tu entres dans le gouvernement, dans la mangeoire, rien ne va changer. Ce sera le même Paul Biya. Est-ce qu'on va changer subitement Paul Biya? Mais à l'époque, on a vu, les Pénopouba sont entrés dans le gouvernement, non? Ils étaient des opposants. Ils ont dit, oh, ça peut être un gouvernement de cohésion nationale, d'union nationale, et tout, et tout. On a vu les codons, ils sont entrés dans ce gouvernement-là. Voilà, les... Mais tout ce monde, est-ce que Paul Biya a changé? Est-ce que le code électoral a changé? Qu'est-ce qui a changé? Puisque c'est lui qui fait son gouvernement. Il vous prend comme des pions, il décide ce qu'il veut, quand il veut, et aujourd'hui, si tu veux dire qu'il y a une transition qui est en train de se faire, mais elle est là, ce n'est pas avec les opposants, elle est là avec Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui fait la transition avec Ngongo. Vous dites que nous allons faire, nous les opposants, nous allons dire pour ne pas effrayer Biya. Quels sont ces opposants qui n'effrayent pas le pouvoir en place? Quels sont ces opposants-là? Donc, Olivier Bilé et toute cette clique-là qui vous disent que nous devons continuer avec Biya, c'est des gens, des gourmands qui veulent des postes. C'est des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Il faut tourner le dos à ces gens-là. Ils veulent juste vous désunir, vous décourager, que rien ne peut changer. Comme Kawala dit que oui, on n'a jamais pu battre Paul Biya aux urnes. Mais Fouloudi a battu Paul Biya aux urnes en 1992. C'est suite à un braquage que Paul Biya a dit que non, Fouloudi n'a eu que 36%.
Tout le monde sait, et d'ailleurs Ben Zonga a carrément dit ça, que c'est eux-mêmes encore qui sont repartis dire que bon, ok, nous on fait comment? On a acheté Frondi. Donc, on peut bien battre pour rien. En ce moment, lorsqu'on vous demande d'aller vous inscrire dans la liste électorale, c'est pour qu'il y ait le chiffre. Il est plus difficile de tricher lorsqu'il y a 10 millions, 15 millions d'inscrits que quand il y a les 4 millions là. Les 4 millions après pour lui envoyer le bir dans les... faire le bourrage des urnes. Mais si le peuple prend conscience comment les autres pays ont fait pour changer, comment les autres pays ont fait, vous voulez dire que Paul Biya est l'armée la plus puissante du monde? Vous voulez dire que Paul Biya est l'homme le plus intelligent du monde? Vous voulez dire que ce qui s'est passé ailleurs, qu'on a renversé des tyrannies, des dictatures, que ça ne peut pas arriver au Cameroun? Et d'ailleurs, je vous dis que si vous vous inscrivez en masse sur des listes électorales, et même avec la présence de la communauté internationale, ce sera comme le cas de Macky Sall. On a fait la pression sur Macky Sall. On va dire à Paul Biya, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on finira par convaincre Paul Biya de partir. Sinon, vous allez défendre votre vote en route. Vous allez défendre votre vote et l'armée verra que vous êtes nombreux. Et si vous êtes nombreux, aucune armée ne peut abattre 5 millions de citoyens, 3 millions, même 4 millions de citoyens dressés contre elle. Aucune armée au monde ne peut le faire. Donc c'est pour cela que je vous convie, une fois de plus, de ne pas vous décourager, de ne pas écouter ces sirènes larmoyantes. Mais plutôt de vous dire que si Frondi a réussi en 92 et que à cette époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, à cette époque il n'y avait pas une jeunesse aussi dynamique que le Cameroun, il n'y avait pas autant de gens qui sont en colère. Mais combien de fois maintenant tout le monde a dit en 2018 comment ils ont été à la peine pour réussir le hold-up électoral? Vous croyez qu'ils vont réussir encore ça? Même l'armée va se retourner contre eux comme au Gabon. Ali Bongo avait déjà acheté les armes. Il avait dit à tout le monde que soyez prêts, dès qu'ils vont se mettre en route, vous tirez. Oleg Nguema a regardé comme ça avec ses collègues, il a dit non, 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 nous on n'est plus là. On ne peut pas, avec ce qu'on est en train de voir là, hein, on ne peut pas. Mais si les Gabonais étaient découragés, que oui, il y a eu l'épisode de Jean Ping, il a volé la victoire de Jean Ping, donc on ne parle plus aux élections, on ne fait plus ceci et cela, mais il n'y aurait rien eu. Mais s'il y a eu changement au Gabon, c'est parce que les Gabonais se sont levés, ils ont voté, ils ont défendu leur vote, et l'armée a vu que Ali Bongo était contesté, et aussi la communauté internationale l'avait déjà lâché. Vous croyez que Paul Biya est le plus aimé actuellement dans la communauté internationale? Vous croyez que Paul Biya est encore tellement soutenu par la France comme on croyait avant? Je ne pense pas. Sinon, il ne serait pas tantôt en train d'aller à tel endroit, courir en Russie, courir partout. Cela veut dire qu'il est en train de trembler. Ce n'est que vous qui, lorsque vous allez secouer ce régime-là, vous allez voir, ça va tomber comme une mangue pourrie. Mais si vous restez dans vos maisons, sachez-le, Chantal Biya, Lengongo et consorts vont prendre calmement le pouvoir là. Et ce sera la continuité parce que Paul Biya, lui, il va d'abord enchaîner notre mandat sous prétexte que ah, il a eu 95%, il aurait eu combien de votants? 1 500 000 votants. Et puis voilà, basta. Encore 7 ans. 7 ans de souffrance. 7 ans. Où vous voulez 7 ans? Où vous voulez le changement maintenant? Et si vous le voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Élan de cœur, cri de cœur, je me suis amis
je me suis mis presque à genoux devant vous, avec la colère d'un père, d'un frère, qui mendie que vous soyez solidaire de l'assassinat de Martinez Ozogo. Certains ont répondu, et je peux dire merci, parce qu'à l'instant T, et au moins 1 500 € dans la cagnotte. C'est donc un effort considérable qui a été fait. Mais regardez combien vous êtes. Près de 3 000 sur YouTube. Près de 2 000. Plus de 2 000 à Facebook. Et si chacun d'entre vous se lancer encore ce défi, que faisons monter cette cagnotte pour que justice soit rendue. Ce qui, ce n'est pas celui de quelqu'un qui m'en dit. Depuis 30 ans que je fais ce métier, jamais je n'ai organisé un litige. Jamais je n'ai appelé quelqu'un à venir m'aider. Et d'ailleurs, ce litige, c'est la famille qui contrôle. Mais cette famille n'est pas dans la bourgeoisie. Martinez était plutôt considéré comme l'un des leaders sortant de la misère. N'ayant pas fait de grandes études, un autodidacte qui s'est formé dans l'OTA et qui a réussi à se faire une place dans le monde des médias. Martinez Ozogo a laissé beaucoup d'enfants parce qu'il était un homme de cœur. Lui, les enfants ne s'inquiétaient pas parce qu'il était le géniteur. Il adoptait, il aimait, et tout le monde vivait dans la même maison avec Diane. Tout le monde partageait le souper. Tout le monde le considérait comme un bon papa. Et voilà, papa n'est plus là. Qui paye les factures d'électricité? La veuve de Martinez Ozogo est en location. Et certainement sera expulsée. Parce qu'il y a des arriérés. Certes, quelques membres de la famille peuvent faire des petits efforts. Mais vous tous, vous savez ce que ça veut dire. Soutenir un procès. Ce procès qui concerne surtout des gens richissimes. Comme Pablo Escobar, en Bilinga, assis sur la ligne 94 et 65, soutenu par Lupo Montazé, avec enfant Vondayolo et bien sûr aussi Laurent Esso, qui ne veulent pas absolument tomber. L'heure pour eux est arrivée de pouvoir au moins faire que la mémoire de Martinez Ozogo soit à jamais effacée. Ils ont de longs bras. Ils ont souvent contrôlé la justice. La preuve, même lorsque les inspecteurs des impôts se sont dressés contre les hommes-là des hommes-là, il a envoyé celle qui était patronne, directrice du centre, direct en prison. Les autres ont pris les saucissons, comme on dit. Le saucissongo
revenait même plus au travail. Le directeur de CEPO lui-même a dû demander rapidement à la présidence de la République, pardon, moi je vais déjà quitter le pays. Je préfère aller me réfugier aux États-Unis. Tout un directeur des impôts. Pour vous dire que ce clan mafieux est très puissant. Utiliser les agents de renseignement, le service de contre-espionnage d'un État, le soumettre, cela veut dire que le réseau est super grand, large. Pendant les enquêtes préliminaires, vous avez vu le nombre de juges d'instruction qui ont été changés, mouillés à la barre. Et pourtant, la première commission mixte composée par Paul Biya est arrivé aux conclusions claires. Donneur d'ordre, qui a financé et tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir changer l'histoire, de recréer l'histoire, de refaire l'histoire, de détourner l'histoire. Leur histoire, ils vont créer ça pendant le procès. Leur histoire, ils ont commencé à vous mettre ça dans la tête. Lorsque le 4 mars 2024, vous avez vu une émission à la télé organisée par celui qui est inculpé. C'est-à-dire que Amour Belinga, alors que les lois du Cameroun interdisent qu'on puisse même commenter à travers la presse et plus précisément la télévision, la radiodiffusion ou la presse écrite, une affaire qui est encore en jugement. Mais eux, ils s'en fichent. Ils l'ont fait. Et Vision 4 n'a même pas été suspendue. On a appelé Bonny Philippe pour aller juste le caresser. D'ailleurs, vous connaissez que le Conseil national de la communication a peur d'eux. Parce qu'ils ont toujours de l'argent. Et tout le monde, si d'ailleurs on condamne Vision 4, vous connaissez comment ils... Nous avons fait souvent, la dernière fois. Peter Soka avait voulu aller, on lui a dit, allez, calmas. Lui-même, il a été condamné à payer à Vision 4. Les milliards, ça se compte là-bas comme ça. Ils ont même une boîte de blanchiment qu'ils appellent Vision Finance. Ce sont des mallettes qui sont en train de circuler partout, pendant ce temps. Les avocats de la famille sont désespérés. Je peux bien vous dire que lorsque l'affaire Martinez a commencé, certains avocats ont été contactés. Ils ont dit ils ne veulent pas avoir affaire à ce réseau-là. Même une avocate qui pourtant est issu de la famille de Martinez Zogo, elle a préféré prendre la clé des champs pour ne pas se mêler à ces gens-là. Trouver les avocats a été très difficile. Mais surtout, ce sont des gens qui se sont levés avec un élan de cœur, décidés à défendre des valeurs. Et ces gens méritent le respect. Je salue ici le travail sacerdotal, plein de sacrifices, de Maître Calvin Job, qui, malgré les menaces et tout ce qui arrive, est toujours là pour essayer d'assister la famille alors qu'il n'est pas payé. L'État du Cameroun devrait prendre ses avocats en charge. Je salue Maître Esther Zeffman qui a aussi décidé
de pouvoir accompagner cette famille. Elle doit arriver pour prendre part aux auditions. Mais faute de moyens, parce que certains ont cru que l'État du Cameroun allait sortir certains moyens à une certaine période, certains avocats, même ici en France, avaient pointé le doigt. Je ne veux pas les citer nommément, mais je peux vous dire, ils ne sont plus là. Ils ont démissionné. Ils ont démissionné parce qu'ils ont vu qu'ils n'y gagnaient rien. Qu'ils partaient courir beaucoup de risques dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, où on ne respecte pas les droits de l'homme. Et surtout, ils ne pouvaient pas payer leur billet d'avion. Ces petits moyens que vous êtes en train de cotiser permettent au moins aux avocats de se déplacer. Ceux-là qui pourraient être là, qui ont décidé d'aller affronter les buffles, qui peuvent y perdre leur vie. Je remercie tous ceux-là qui, même après ce direct, vont continuer à contribuer. Relevons ce défi. Nous sommes des fourmis maniables. Nous devons être en rang, rang de solidarité. Faisons preuve de solidarité à jamais égalée. Faisons semblant d'être à la place de Martinez Zorro. Qui parmi vous, parmi nous, peut accepter ça? Qui peut voir son enfant nu, son épouse nue, assassinée de cette façon? Et puis on vit en verse. Des liquides pour détruire le corps. Si nous ratons le procès de Martinez Zorro, si nous ne mettons pas la pression sur la justice camerounaise, il n'y aura rien. Nous avons obtenu une première victoire, à savoir que ce procès soit public. Allez-y, assistez. Et surtout, je vous promets, je mettrai d'abord, même avant et pendant le procès, des éléments pour que vous-même vous les ayez. Quand les Tchungang vont raconter des mensonges, vous allez dire que voilà ce que Amgou a déclaré. Voici ce que Danou a déclaré. Voici ce que les assassins ont déclaré. Voici ce que... Et vous comprendrez. Et aussi, je viens aujourd'hui vous alertez sur une situation qui se passe à la prison de Kondigi. Martinez Zorro est passé par la prison de Kondigi. Quand il est arrivé là-bas, il a été mis à l'écart, pris comme un espion. Il a été envoyé à la prison de Kondigi le 17 janvier 2020 par Bondayolo et Amoukou Belinga. Et sachez que l'immeuble et camp appartient à Bondayolo. C'est lui qui a le titre foncier. Lorsqu'il est arrivé à Kondigi, l'homme qu'il a accueilli, c'était son oncle, Zogandela, qui n'a pas encore été définitivement condamné. Et dont d'ailleurs l'ONU a demandé la libération. Mais vous avez constaté depuis un certain temps que subitement, les tireurs à gage, ceux-là qui sont payés par l'argent du sang, ceux-là qui nous ont dit que Martinez Zorro s'était enlevé lui-même, qu'il était en train de manger le gibier quelque part, qu'ils ne vont croire qu'après avoir vu la dépouille de Martinez Zorro, parce qu'ils savaient que le cadavre de Martinez Zorro sera dissous à l'acide. Malheur en a pris. On est parti les attraper, la main dans le sac, ils ont fui. Et subitement, ils vous ont tourné en disant que, oh, il y a eu la Pajero qui est venue faire ceci. Oh, Martinez, voilà.
que Martinez Zogo était en sécurité. Ils ont même eu à commencer à dire que j'avais réussi à faire fuir Martinez Zogo et qu'il était déjà chez moi. Et regardez qu'au moment où le procès va commencer, bam, il commence à vous dire il y a eu presque des émeutes ou bien une sorte de bagarre entre Zogandela, l'oncle de Martinez Zogo, et Martin Savon. Et bonjour, ils vous ont dit que Zogandela a dit que Martin Savon était la taupe et que c'était très chaud devant tous les prisonniers. Mais sauf que quelques temps après, vous avez vu la réponse et surtout les éclairages de l'avocat de Zogandela qui a dit il n'y a jamais eu le bruit de cette envergure-là. Tout ce qui est raconté, ce sont des fariboles inventées pour nuire à son client. Et je vais vous dire pourquoi ils font ça. Il n'y a jamais eu demandé à n'importe qui. Et c'est les mêmes qui viennent dire maintenant, quand ils voient que l'avocat a répliqué, que ces gens n'ont pas de problème, ils vous disent que Zogandela dort dans le même truc, dans le même quartier, le même local que Savon qui a tué Martinez Zogo. Tout et chacun d'entre nous sait ici que ce sont les gens qui ont été recrutés par Amou Belinga qui sont partis tuer Martinez Zogo. C'est les gens de la DGRE. On le sait. Tout le monde sait que Danoué était dans les bureaux de Martinez Zogo, d'Amou Belinga. Mais jamais ne parle de lui. Jamais ne parle de lui. Comme s'il n'avait pas un problème avec Martinez Zogo. Ils ont donc inventé cette histoire-là. Parce qu'en réalité, en prison, effectivement, il n'y a pas de problème entre Zogandela et Savon. Or, il se trouve que ils ont appris par leurs espions, que Zogandela a eu les confessions de Martinez Zogo avant sa mort. Les espions de la prison sont donc partis dire à Zomlo que Zogandela risque d'aller au tribunal et donner des témoignages. Peut-être qu'il en sait même plus. La résolution a donc été prise qu'il fallait déconnecter Zogandela, le tuer. Subitement, on vous le présente déjà comme un gangster, comme un brigand. Mais quelqu'un en prison depuis, son neveu est mort. Et c'est lui qui l'avait d'ailleurs accueilli en prison. Vous vous acharnez maintenant sur lui. Pourquoi? Parce que le plan, c'est d'empoisonner Zogandela. Ils veulent tuer Zogandela, l'oncle de Martinez. Et ça, c'est le plan du Zomlo. Zogandela sera empoisonné. Il ne pourra donc pas avoir la possibilité de venir déposer. Et puisqu'ils vous ont dit que les seuls gens qui déposent, selon les articles qu'eux-mêmes ils ont déjà cités, c'est-à-dire qu'ils ont déjà trouvé tous les plans, que tous ceux qui déposent là, ce sont les inculpés. Donc ils vont balayer ça dans le verre de la main en disant que quelqu'un qui est inculpé ne peut pas témoigner. Or, dans l'affaire, il soupçonne que Zogandela, qui était avec Martinez dans la même cellule, qui est l'oncle de Martinez, et que Martinez, à qui Martinez aurait confié un certain nombre de choses, qu'il est dangereux. Alors on crée un problème. Pourtant, quand vous allez entendre que Zogandela est mort, on va dire quoi? Que c'est Savon qui l'a tué. Que c'est Savon qui l'a tué. Alors qu'ils n'ont aucun problème. Voilà dans ce plan-là. À peine ils ont diffusé ça. On se retrouve donc mardi
Sogandela et Savon sont fouillés en pleine nuit. À 20h59, les gardiens de prison arrivent. Ils veulent récupérer seulement leur téléphone. Je vous rappelle que les Ambazoniens ont les téléphones. Je vous rappelle que Amourou Belinga se balade avec le téléphone à la cour de la prison. Il a trois téléphones. Ayouk Tabe a le téléphone. Tout le monde là-bas a le téléphone. La seule fouille, c'était Sogandela et Savon. Ils ont récupéré les téléphones. Mais ça n'a pas suffi. Ils sont revenus. Parce que le Zomlo des Zomlo a donné des millions au régisseur qui est le neveu de Laurent Esso, Ipuni Max, de récupérer ses téléphones. Parce qu'ils veulent voir ce que Sogandela peut avoir dans son téléphone. Ou bien ce que Savon peut avoir dans son téléphone. Puis ils ont dit que Savon appelle le SGPR, c'est-à-dire que qu'il a Ngongo. Ils ont dit que Savon appelle Ngongo, non. Mais vous dites que c'est Ngongo qui gouverne le pays. Comment Ngongo laisse encore Savon en prison? Mais attendez, Ngongo est impliqué dans l'assassinat et il laisse son bras droit en prison. Bon, continuons. Ils reviennent. Sogandela est en train de se laver. Cette fois-ci, nous sommes à 22h54. Un groupe entre encore, casse la porte de là où il se lave. Ils vont le trouver nu. C'est un papa, c'est un directeur, c'est quelqu'un qui a fait l'école. On le trimballe nu. Sogandela s'est déjà fait agresser au moins 7 fois en prison. On le tabasse, on l'humilie. Amourou Belinga quitte après avoir tué Martinez Zogo. Il va maintenant terroriser et chercher à tuer son oncle en pleine prison avec la complicité du juge, pas du juge, du patron de Konengi, qui est Max Ipuni. Et dans tout ça, tout le monde sait que Mugoui, il va appeler directement Laurent Esso ou bien un certain Do Jérôme qui est le directeur de l'administration pénitentiaire. C'est lui qui commande la prison. Vous vous rendez compte? Il se balade avec son téléphone. Jamais de la vie, on n'a vu quelque part au monde où vous apprenez que un monsieur a tué. Il est prisonnier. Mais il a aménagé un bureau. Un bureau où il reçoit ses femmes. Couche avec n'importe quel wolwos. Et là-bas, il a mis le cuir. Les chaises sont en cuir. C'est climatisé. Lui-même, il a introduit un lit. Il a un lit 2 places en prison. Ces 3 femmes viennent, chacune fait la passe. Les autres viennent, font la passe. Et après, dans la prison, tous les prisonniers sont mis en cellule, enfermés. Vous allez dans vos quartiers à 16h30. Amougou, lui, il reste avec ses femmes, il reste avec ses copines. Et certaines peuvent aller à 20h. Au plus tôt. D'autres, c'est 23h. Qui viennent jouer au Ludo avec lui et Bruno Bidjan. Voilà donc la prison. La prison dorée qu'un voleur palmipède a transformé en paradis de Pablo Escobar, où il dit, allez me chercher le portable de tel. Alors l'autre là, j'ai l'impression que... Et on obéit. Tous les jours, il a un
un majordome qui travaille de 5h à 23h. On l'appelle Abaya. C'est lui qui s'occupe de tout le machin et tout. Voilà. C'est monsieur l'intendant pour lui. Voilà quelqu'un qui est payé par l'État. Mais que Aungu utilise. Sa femme qui est magistrate, Sarah Itami, arrive en prison avec un monsieur qui, soit dit en passant, serait son gars du corps. Mais le gars a un PA au niveau de sa hanche. Dans quelle prison on entre avec les armes? Prison principale de Koningi. Prison principale ou alors paradis principal, disons-le. Les gardiennes qui sont mariées, les gardiennes de prison, après 23 heures, viennent le trouver pour lui tailler. Je ne peux plus le marcher, je ne peux pas dire. Vous imaginez ce que les gardiennes font là-bas, jusqu'à ce qu'il y a même des bagarres. Ces bagarres-là, ces gens-là ne parlent pas de ça. Ils vous parlent seulement d'un pauvre monsieur qu'on appelle Achille Zogandela. Est-ce que c'est lui qui choisit la cellule où il doit aller? On a dit à Sabo, va dans telle cellule. Lui n'a pas les... Lui quoi, en prison? Tantôt on l'a fait à la prison centrale de Koningi. On l'envoie au Kosovo. Après on revient avec lui. Et maintenant le programme, c'est de le tuer. Et après on va dire, on vous avait dit non. On vous avait dit qu'il a des problèmes avec Savon. Ils ont créé leur histoire, vous allez voir comment ça va faire chier. Vous irez vous-même voir ce qui se passe. Vous comprendrez avec les documents à l'appui si notre justice est manipulée. Parce que déjà rien que les ordonnances qui ont été rendues, tantôt quand il nous a dit « si Kachou Gomboko, vous n'avez rien à voir » et subitement, voilà Mouko qui va à la barre. Qui l'a cru? Mais lui, il s'est dit, avec leur méthode que je connais déjà et que je vous décrirai encore samedi, qu'ils vont réussir à vite sortir. Parce qu'ils ont déjà distribué des milliards. Mais nous, peuple de Fourmi-Magnon, nous n'avons pas de milliards. Nous avons juste la foi. La foi que l'esprit de Martinez va confondre les corrompus, les buveurs de sang, les petits activistes et journalistes qui ont trahi sa mémoire, qui continuent à se mourir de son sang. L'esprit de Martinez va déshabiller le Zonglon. Lui, pour la première fois, le Zonglon te verra à la barre. Ce que tu fais aux autres, le David Ebutu et consorts, tous ces journalistes que tu as humiliés, pieds nus. Lui, tu as protégé longtemps ton image, non? Cette fois-ci, tu regarderas Madame Martinez Zoro dans les yeux. Tu regarderas les collègues de Martinez Zoro dans les yeux. Tu regarderas les enfants de Martinez Zoro dans les yeux. Tu regarderas la vérité, le peuple camerounais, dans les yeux. Ils te verront. Le Zonglo des Zonglo. Zonglo me bimo capote. Zonglo me bimo coupe. Cette fois-ci, alors, tu es devenu la poubelle de la puanteur. Parce que tu voulais la grandeur, des hauteurs. Tu étais le roi de la terreur. Aujourd'hui, tu as peur. Oui. Tchougan n'est pas celui-là qui va transformer l'histoire. Il va s'enrichir sur toi, sur ton dos. Mais nous, unis sous le monde, peuple des Fourmi-Magnon, mettons-nous
en prière et surtout en rang pour défendre la justice au tribunal militaire. Fais quoi? Il y aura justice pour Martinez Zogo. Avant de continuer au dernier chapitre, je vais regarder si quelque chose a évolué. Est-ce que ça a évolué? Non. Oui, c'est évolué. Un peu. 41 participations. Vous êtes combien là? Bon. On va chez Jérémie Ditap. Pour l'instant, j'attends 3 nouvelles participations. Ou même 4 ou 5. Sortez vos porte-monnaie, vos portefeuilles. J'attends. 3000 sur Facebook. 3010 sur Facebook. Près de 1900 sur YouTube. Non, 3000 sur YouTube et 1800 sur Facebook. Et après, j'arrive. Dieu créa l'homme, de l'homme est venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et voici la pomme que l'homme dit à l'orfosso proposa à Jérémie Ndita. Il tourna cette pomme. Elle était mignonne, juteuse. Lui, avec ses dents si bien aiguisées, il croqua la pomme. C'est bon. Les joues se remplirent. Il t'a croqué encore la pomme. Il t'a se mis à trembler. L'or, c'est comme l'or. Il croque encore. Il ferme les yeux. Et le serpent à côté était en train de guetter, de le regarder. Il se leva
regardant à gauche, regardant à droite, il vit un boulevard. Le boulevard était bon. Il dit, voilà mon paradis. Aujourd'hui, je t'ai dit que c'est l'enfer. Qu'il a mangé le fruit maudit. Qu'il a été trompé par le serpent. Mais pendant ce temps, il dit qu'il voulait encore un peu faire le magnan. Mais l'autre est devenu tellement dribbleuse que lui, le grand footballeur, ne comprend plus ce qui se passe dans son ménage. C'est ainsi donc que finalement, comme un spectacle de stars, oui, une d'une famille nobiliaire, une d'une famille royale, d'une famille milliardaire, et l'autre qui a remporté les Champions League, soulevait les trophées et croyait que les femmes sont comme la Ligue des Champions qu'il avait remportée avec le Real Madrid et qu'il suffisait tout simplement de savoir jouer au pied pour qu'elle puisse rester à la maison. Mal lui en a pris, Jérémine Dittap a donc demandé le divorce. Un divorce qui fait des choux gras et qui provoque d'ailleurs parfois des questionnements, de l'hilarité et surtout des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce divorce actuellement est allé à Mondovision? Nous allons d'abord prendre les déclarations de l'avocat d'Indita, les accusations contre celle qui fut sa femme, ou alors qui est toujours sa femme, mais qu'aujourd'hui, il trouve comme ne faisant plus partie que de son passé lointain. Nous allons essayer de comprendre avec vous quelques éléments avant de pouvoir analyser ce qui s'est passé entre Jérémine Dittap Sorel et Lord Toucan Fosso, devenu Lord Dittap. Eh bien, voici ce que l'avocat écrit. Que par acte de mariage, numéro 033/2012, du 30, je ne sais pas, 2012, je ne sais pas, du centre d'état civil de Pété-Banjou, a contracté un mariage avec Dame Toucan Fosso Laure. Que de cette union n'est né aucun enfant. Hein? Que si la vie du couple était harmonieuse et passionnante avant ce mariage, elle deviendra pénible. L'épouse a tout fait de briser l'harmonie qui a motivé leur union quelques années après, tant par un comportement des plus abjects. Ici, Dittap dit que lui n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Magic Bojum. Magic Bojum. Je n'ai rien fait. Le morceau du Zomlo. Je n'ai rien fait. C'est l'épouse hein, qui avait tous les comportements de serpent. Bon, des plus abjects. C'est ce qu'il a dit. Puisque nous sommes dans le jardin d'Eden. Que le mensonge et le mépris à répétition par des paroles ou des agissements. Absence de consommation du mariage. Hein? Et tiens, Dittap. Quand tu prenais là, absence de consommation du mariage. Donc,
quand la croquant la pomme sans consommer. Attendez, je cherche un peu mon dictionnaire. Bon, continuons. Donc, il tape, nous dit que il a fait le mariage blanc. Papa, tu tapes. Tu as fait le mariage blanc, tu voulais les papiers. Tu voulais les papiers de la chefferie. Banjoun. Ou bien, ah oui, je comprends. Je comprends. Ne l'appelais même plus. Je comprends maintenant pourquoi sa femme a toujours gardé le nom de Laure Okam Fosso. Donc c'est Ndita entre-temps qui est devenu Ndita Fosso. Ok. Jérémy Fosso, voilà. Bon. Puisqu'elle n'a pas consommé le mariage, Ndita avait besoin des papiers. Elle deviendra pénible. L'épouse a tout fait de briser l'harmonie qui a motivé leur union. Quelques années après, tant par un comportement des plus abjects, j'ai repris. Et je suis allé sur manque de consommation du mariage, expulsion de l'époux de la chambre conjugale. Mince. Je dis, hein. Jérémy Ndita, toi tu as signé un contrat d'expulsion. Tu vas au vestiaire de Lyon, on t'expulse. Tu vas même dans ta chambre, on t'expulse. Comment, avec tes... Quand on te voit quand même, tu es baraqué. Tu veux comment? On t'expulse, c'est comment? Tu es sans papier ou quoi? Expulsion? J'apprends seulement que c'est les sans-papiers, les sans-abri, les sans-papiers qu'on expulse. Donc, Jérémy Ndita n'avait même pas obtenu les vrais papiers pour être le vrai Fosso. Bon. Expulsion. Bon, donc là, je crois qu'il faut vraiment, il faut qu'on saisisse la FIFA. Expulsion à la FECAFOU. Expulsion dans les vestiaires de Lyon. Expulsion sur le lit conjugal. Expulsion dans la chambre. Expulsion du lit. Expulsion du matelas. Et maintenant, le gars, je crois quand même qu'on ne l'a pas expulsé du canapé. Non, il n'est pas encore allé là-bas. Maintenant, il dit que c'est chaud. Le caractère belliqueux de l'épouse rendant impossible la vie commune du couple pour des raisons suivantes. Donc la fille là, Laure Fosso là, on dit que chez elle, c'est la guerre. Iran-Irak, qu'elle aime la guerre, grave. Mais moi je voyais quand même que Jérémy Ndita, quand un homme venait là, un défenseur ou bien un homme, un attaquant, quand il voulait t'aborder, dans les lions là, Ndita, c'est toi qui partais là devant. Tu sortais des muscles comme ça, maintenant tu dis que l'or là, l'or que je connais là. D'ailleurs, tu avais même un problème de petit handicap là, puisque son dos était comme ça. Donc c'est elle qui te battait. Hein? Bon. Et donc, Ndita, c'est un homme battu. Et donc, faisons notre association pour les hommes battus. Et voici les excès et sévices. Ndita va suivre. Ndita ballon. Que si, dans le début de cette union, l'épouse a fait preuve de gentillesse. Elle n'a pas cessé de mentir. Présentant les enfants jumeaux nés le 5 juin 2008, 4 ans avant le mariage, comme étant les siens, toute chose qui a motivé leur union. Oh, dites-moi. Vous vous rendez compte? Dites-moi. Le gars de tuer est parti voler la femme mariée. Parce que la femme est mariée. Et lui, il dit qu'il croyait qu'il est en train d'aller faire des enfants avec la femme mariée. Donc, l'homme là t'avait dit que le gars là, on avait coupé seulement le 3e pied du commandement. Toi, tu es parti trouver une femme qui est déjà mariée, qui fait ses matchs chaque jour, chaque soir,
Toi qui dis qu'elle t'a tout simplement dit que comme tu vois là, l'ombinda là, que tu connais là, c'est vraiment c'est toi qui viens de marquer les buts. Hein. C'est ça qui a motivé. Ça a motivé votre union comment? Donc toi tu as d'abord eu les enfants avant de commencer l'union. Donc toi tu passes comme ça là, boum, centré. But, mais attends, c'est quelle qualité de but ça? Dites-le. Pour... Même dans un match de football, toi tu n'es pas en compétition. Deux équipes sont au stade. Un marque le but, toi tu es dans les vestiaires. Tu captes le ballon, tu dis que tu as marqué le but. Bon, continuons. Ndita va nous expliquer. C'est-à-dire que le gars nous avoue qu'il est parti voler la femme d'autrui. Ils étaient dans une relation adultérine. Et le gars veut que ce soit les enfants là qui soient lui. Une femme officiellement mariée. Voilà Ndita. Voilà Ndita. Continuons. Que la découverte par l'époux que les 10 enfants étaient ceux de son précédent mari, car né pendant ce mariage, bouleversera l'harmonie du couple. Il part voler chez une femme, chez quelqu'un. Celui-là, lui, n'est pas bouleversé. C'est lui, le voleur, qui est bouleversé. Quelqu'un entre ici. Il vole ma télé ici. Il vole ma chaise. Après, il est bouleversé qu'il n'a pas volé le salon. C'est-à-dire que moi, je ne dois même plus me plaindre, selon Ndita. Bon, on continue. Plus grave, le test de paternité effectué le confirmera que Ndita n'a pas mal que mon bio. Tu t'as dit que la femme ne consommait pas le mariage. Comment est-ce que tu t'as plus même pas fait le test de paternité? Une femme n'a pas consommé le mariage. Elle était seulement avec toi là que vous êtes seulement dans le schéma, le schéma, le schéma. Et toi tu as fait le test de paternité. C'est toi-même qui dis qu'elle n'a pas consommé. Et maintenant tu dis que obligeant son épouse à passer aux aveux. Oui, je reconnais ma faute. Que j'ai vraiment péché devant les hommes. C'est pour ça que j'ai écrit que M. Ndita, ces enfants-là sont du vrai père qui était mon mari. Hé! Passons aux aveux. Celle-ci le convaincra d'ailleurs à laisser les enfants aller chez leur père, légitime et biologique, régulièrement. Et ça, que c'est l'épouse qui a dit à Ndita, tu vois, non? On m'était trompé là. Tu laisses alors que les enfants là continuent seulement avec leur père régulièrement. Mais sauf que Ndita ne dit pas si elle-même aussi partait aussi chez... Bon, on continue. Maintenant, il ajoute un nouveau prénom. Hein, parce qu'on va voir les verres et les murs. Et si que dame pour qu'en fosse leur verrine. Avant là, elle ne parlait pas de verrine. C'est malgré tout transformé en épouse suffisante et belliqueuse. On revient toujours là. Suffisante, donc toi tu croyais qu'elle ne se suffit pas. La fille d'un milliardaire, suffisante et belliqueuse. Fermant à clé la chambre conjugale, obligeant son époux à dormir dans d'autres pièces des résidences conjugales. Je dis, hein, ici là. Donc dis-toi, toi tu veux me dire qu'il n'y a pas de serrurier au Cameroun. Donc, la clé a été unique. Hein? Elle, Ndita ne connaît pas les serruriers. Même les bandits viennent ouvrir n'importe quelle porte à Yaoundé. Ndita dit que la femme là fermait la porte à clé. Et lui, pendant 12 ans, il n'a pas pu trouver le double des clés. Il n'a pas pu refaire une autre porte. Tu es dans une maison conjugale. Et tu pars dans les résidences d'à côté.
Tu as bien dit que les pièces de résidence conjugales. Donc, vous avez combien de résidences conjugales même? Il faut bien expliquer ça à la justice. Bon, maintenant, suivons alors là où le chef bandit nous enseigne. Parce que je veux vous dire cette histoire, si c'est une affaire de bandits et bandites. Je peux déjà vous dire ça. Et vous le comprendrez plus tard. Qu'il a été contraint de s'éloigner de la résidence du couple à la suite des menaces de la fille de son épouse, née de cette précédente union, qui a promis appeler la police s'il mettait pied, courant de toute injure et le traitant de tous les noms de drôles d'oiseaux. Il t'a dit quoi? Que tu étais corbeau, que tu étais perroquet, drôle d'oiseau. Sur les différences complices de son épouse. Donc le gars s'est dit que. Dites-moi que vous voyez là. Hein? Dites-moi. Que vous voyez avec les grosses cuisses là. Parce que quand vous voyez une dita, regardez seulement sa boule à zéro là. Une dita te donne un coup de tête. Il dit qu'il a fui. Parce que la fille a dit qu'elle va appeler la police. Une dita, tu es sans papier. Comment tu fuis le chez toi, un domicile conjugal, une fille qui est déjà majeure, n'a même pas droit de citer. Mais c'est elle qui dit que je vais appeler la police. Et toi, l'homme, tu fuis. Pou, 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 pou. Une dita va fuir. Une dita va fuir. Mais, Ndjita, qui voulait bagarrer avec Massine? Ndjita, qui avait dit qu'il va tabasser on Onanelundu jusqu'à ce qu'il va ramasser les dents par terre? Ndjita, dit que vraiment il a fui la maison à cause de deux femmes. Sa femme et la fille et sa fille. À cause de la police. Alors que c'était une opportunité que la police arrive, tu dis que. Tu as vu? Pourquoi il n'a pas fait le constat du ciel? Lucien fait ça. Mais attendez. Chez moi, mes clés, je n'ai pas. Je dors dehors. Et je dors à côté. Et par la suite, quand on appelle la police, au lieu de danser que enfin, je suis libéré. Je suis sauvé. C'est moi qui prends fuite. Hein, alors que je suis maltraité. Bon. Continuons. Dita, tu vas tout nous dire. Que découvrir que les jumeaux ne sont pas les siens, alors qu'il les a élevés durant de nombreuses années. Lui cause. Attendez, je m'en vais boire de l'eau. J'ai le choc. Ça passe. Je tape. C'est un peu calmé. Et puis, on y va. Attendez. Que découvrir que les jumeaux ne sont pas les siens alors qu'il les a élevés durant de nombreuses années lui cause un véritable choc émotionnel. Et celui-ci sera aggravé par l'attitude de Dame Toucan Fosso Laure Verline, qui n'a pas cru devoir lui apporter le moindre secours dans cette souffrance morale. Sur les injures, que Dame Toucan Fosso Laure Verline, cette fois-ci, je ne sais pas quel nom elle a exactement, n'a cessé de l'humilier et l'ont méprisé en couvrant d'injures aussi dégradantes qu'infamantes, n'hésitant pas de le traiter de sillonneur de bas quartier. Sillonneur de bas quartier. Voilà alors la phrase qui tue Jérémy Ndjita. Il faut que vous m'expliquiez ça. Moi, je ne comprends pas ça. En français passé, ça veut dire quoi? Sillonneur de bas quartier. C'est quel quartier? Nkondongo, il a sillonné où? Et de tous les noms de drôles d'oiseaux. Que plus grave? Toujours les noms des drôles d'oiseaux. Que plus grave? Elle a refusé tout rapport sexuel. C'est cruel ça. Fermant la clé. Fermant la clé, la chambre conjugale. Parce que quand on dit rapport sexuel, est-ce que c'est cette bande? Bon, ok. La chambre conjugale.
pour l'obliger à dormir dans d'autres pièces de résidence conjugale. On a suivi ça. Donc, ce n'est que la chambre qui était fermée. Toutes les autres chambres, là, elle pouvait aller avec elle. Que ces lieux proférés à son endroit et élevant ses enfants ont plongé le requérant dans un état psychologique dégradable, perdant toute estime et considération d'homme, père, mari ou époux de la mère vis-à-vis de ses enfants. Que ces injures constituent une violation grave, renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal en application de l'article 232 du Code. Dès lors, du Code pénal, dès lors, il y a lieu de donner acte au requérant de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux Ngita Fosso. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, vu la requête qui précède, ensemble les pièces produites au support de celle-ci, vu les dispositions de l'article 234 du Code civil, recevoir sa requête et lui donner acte de la présentation en personne de celle-ci. L'autoriser à faire citer Dame Toukam Fosso-Laure Verline par devant vous. Mesdames et messieurs, je m'arrête d'abord là. Il ne m'est pas régulier de me mêler des affaires privées. Mais ici, c'est des personnalités publiques qui sont venues étaler leur vie privée en public, et d'autant plus que ça engendre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres personnes. Parce que derrière cela se joue aussi l'héritage des milliardaires Fosso. Le père Fosso, c'est lui qui a autorisé ce mariage. Et ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que Ngita dit, certes, sa femme n'est pas celle, puisque elle n'est pas à son premier mariage. Mais ce n'est pas parce qu'on a raté le premier mariage que ça veut dire forcément qu'on est nul. Mais quand on fait deux, trois, et que ça s'achève d'une certaine façon, je vous laisse de prendre interprétation. Mais là où Jérémy Ngita ne dit pas la vérité, c'est que c'est quelqu'un qui a des visées, qui a des objectifs. Jérémy Ngita est un profiteur. Jérémy Ngita, il faut le dire, avant qu'il ne soit ce grand footballeur, voilà quelqu'un qui jouait à la salle de Bafoussam. Mais il n'avait pas de l'argent et tout et tout. Mais il va profiter de sortir avec une femme à qui il va perdre le temps pendant une vingtaine d'années. Cette femme, cette fille, était une handballeuse. C'était la fille de Colin Wett, un célèbre commissaire, ayant beaucoup de moyens et aimant beaucoup sa fille. Cette fille jouait dans le club qu'on appelle Avenir Handball Club de Yomaba. Voilà la femme de souffrance de Jérémy Ngita. Avant de parler de qu'il est parti au Real, déjà avant d'aller au Real, il est passé par je crois, le Paraguay ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà la femme de souffrance. Voilà cette fille qui prenait l'argent chez son père. Jérémy Ngita n'avait qu'une seule paire de baskets. Une grosse paire de tennis blanche qui était déjà même devenue marron. Et il venait, il portait le sac de la fille là au Matéko. Quand Jérémy Ngita a donc maintenant une petite opportunité, qu'il devient un footballeur avec le talent qu'il a, parce qu'il faut quand même reconnaître que Jérémy Ngita a joué dans des grands clubs plus tard. Ah oui, c'est-à-dire que quittant de la Turquie, il va jouer quand même 4 ans au Real Madrid, avec lequel il va remporter 2 Ligues des Champions, qu'il va d'ailleurs jouer à Chelsea, qu'il va jouer à Newcastle avant de finir sa carrière vers les années 2010-2011. Mais Jérémy Ngita, au moment de choisir, qu'est-ce qu'il fait?
Il sort avec une fille, Fosso, qu'on appelle Laurence, qui travaille à la FECA Foot. C'est cette Laurence Fosso qui l'introduit dans la famille Fosso. Laurence Fosso est la petite sœur de Nadia Fosso, qui est avocate, je crois, aux États-Unis. Mais lorsque Jérémy Djitap arrive là-bas, il se rend compte que le père Fosso a beaucoup d'estime pour Laure Fosso, qui est toujours avec lui. Il se rend donc compte que, mais tiens, il y a des opportunités. Et son opportunité, c'est quoi? C'est qu'il abandonne la Fosso qui l'amène à la maison, celle qui sortait avec lui, Laurence Fosso. Et il vient tomber sur Laure Fosso. Voilà comment Djita entre dans cette famille. Quand il entre donc dans cette famille, la Laure Fosso en question, son mari n'est pas trop en bon terme avec son père. Son mari en question, dont on dit que il est en fait le géniteur des jumeaux, il travaille à la BEAC, c'est un Tchadien. Jérémy Djita passe donc par derrière pour faire l'enlèvement au Tchadien. Et en même temps, il trahit celle qui a fait qu'elle vienne à la maison, c'est-à-dire Laurence Fosso. Parce que lui cherche le magot. Parce que comme j'ai dit que la fille de Konagwe est celle-là justement aussi qui achetait même le maillot à Jérémy Djita. Lui achetait le slip, lui donnait tout, c'est-à-dire qu'elle partait escroquer un peu son père là et tout, pour venir donner. Et donc, Jérémy Djita n'a donc pas été sérieux. Puisqu'il a entré comme ça et il a bifurqué comme ça pour les moyens financiers. Maintenant, quand ils se mettent ensemble, ce que Jérémy Djita ne vous dit pas, c'est que Jérémy Djita a sauté sur la bonne, leur bonne. Il a bombardé la grossesse nerve, bim! Et son épouse va donc découvrir cela par les caméras de surveillance à la maison. Elle va voir comment est-ce que Djita s'est dribblé, comment Djita s'est passé en action, attaque, contre-attaque et tout. Voilà ce qui crée les problèmes. La fille en question va attraper presque ce qu'on peut dire une dépression. Laure va menacer même de se suicider. Mais le vieux Fosso n'est pas informé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Laure a joué un rôle incroyable. C'est-à-dire qu'il savait que le père Fosso était d'abord attaché à Yves-Michel Fosso, qui devait être son héritier. Or, Laure, avec la complicité de Djita, ont tout fait pour détruire cette relation qui était vraiment très solide. Et lorsque Michel, justement aussi, à travers les problèmes qu'il a eu à Camerco pour l'achat des avions, il va en prison, leur dit, oh, c'est bon. D'autant plus qu'elle avait des complicités à la présidence. Pourquoi des complicités à la présidence? Parce que la mère de Laure Fosso, elle-même, elle est diplomate et travaille à la présidence de la République. Mais la mère de... C'est-à-dire que la belle-mère de Jérémy Djita, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était la bonne de la femme de Fosso. Elle-même, elle a fait tourner d'eau. Boum! C'est comme ça qu'elle a récupéré Fosso. Et Fosso
s'est décidé sur sa bonne jusqu'à payer ses études, venir en France jusqu'à ce qu'elle est sortie diplomate. Elle ne travaille qu'à la présidence de la République. Elle a une relation avec tous les barons là. Donc, Ndjita connaissait tout cela. Il ne venait pas parce que la femme était la plus mignonne. Je peux d'ailleurs dire qu'il a demandé alors d'aller faire la chirurgie esthétique pour ressembler un peu à Laurence, qui est beaucoup plus. Mais c'est tout ça. Donc, la mère de l'or a fait le tourne-dos, le tapé-dos, comme on dit, à la femme de Fosso. Elle est devenue son épouse. Et maintenant, vous voyez que Jérémy Ndjita, lui aussi, part avec une autre femme là-bas, Laurence, et puis finalement, fait le tapé-dos, il se retrouve avec l'or. Maintenant, avec l'or, il fait le tapé-dos, il se retrouve avec la bonne. Boum, process. Voilà. Là où il ne va pas parler. Parce que vous voyez, il parle tout simplement comme si c'était la plus grande bandite de l'histoire qu'il est venu rencontrer, que lui c'est un garçon sérieux qui n'a jamais rien fait, il était ceci et cela. Il cache son passé et toutes les nuisances qu'il a eu à faire dans cette famille. Jérémy Ndjita, lorsque Fosso doit mourir, on fait confiance à son épouse, donc à lui. Mais ils vont l'abandonner à l'hôpital américain. De telle sorte qu'il s'est préoccupé juste à récupérer le carnet d'adresse et aussi le téléphone que celle-là avait dit que oui, Laure Fosso avait dit que elle enterre Fosso avec son téléphone. D'ailleurs, lors de la messe d'action de grâce de 2019, je crois que c'était en mai, Fosso n'était pas encore mort. Fosso, là, prend la parole pour dire que oui, papa, voilà ce qu'il m'a dit. Papa, c'est ceci. Papa aime cela. Papa. Donc, elle était déjà dans la préparation avec Jérémy Ndjita pour pouvoir écarter les autres membres de la famille, même quand il meurt. C'est un autre qu'on va désigner, je crois qu'il était ingénieur, je crois, il faisait des études au Canada. C'est lui qui est désigné normalement héritier parce que chez un notable américain, c'est l'homme qui devient héritier. D'autant plus que Fosso lui-même en parlait de son vivant. Et Michel étant en prison, il avait choisi celui-là, qu'il deviendra l'héritier, que c'est lui qui va gérer ses biens. Mais Jérémy et là, vont tout faire pour s'asseoir sur la fortune. Aujourd'hui, que ce soit les salles de spectacle et consorts que le père Fosso a fait, mais ça a été racheté par Jérémy Ndjita. Vous allez dire qu'il a pris de l'argent où? Parce qu'il avait joué 4 ans à Montréal, il y avait très longtemps. Mais attendez, tous les footballeurs que nous voyons là ont joué depuis longtemps. Ils n'ont pas autant d'argent. Ils ont récupéré. Et alors que Fosso, un milliardaire de cette envergure, avait laissé des milliards, on vous dit que le gars est presque en ruine, qu'il est endetté, qu'il est ceci et cela. Ils ont pris de l'argent de Fosso. Ils ont envoyé dans des paradis fiscaux. Et c'est ça que Jérémy Ndjita veut garder. Voilà le problème. C'est là où il se bagarre. Mais personne ne peut dire que nous sommes en train de bagarrer sur l'argent que nous avons volé. C'est l'argent. Fosso a laissé combien de femmes? 25 femmes. 121 femmes. Mais Jérémy Ndjita et là se sont assis pour nuire aux autres. Pour accaparer les biens. Pour détourner les biens. Tantôt, les biens doivent aller dans une association sportive appartenant à Jérémy Ndjita qui doit faire des dons. Qui doit faire des dons. Et là-bas, ils ont créé des sociétés
fictive comme ça pour perdre le contrôle des sorties d'argent, de ces sommes faramineuses. Nous sommes là dans une union qu'on appelle association de malfaiteurs. Et qui aujourd'hui viennent montrer qu'ils sont tellement innocents devant le monde entier. Jérémy Ndjita sait très bien que de l'autre côté, regardez d'ailleurs l'autre, celle qui est la sœur de l'or, Nikki Love, n'a pas honoré la mémoire de son père. Quelle humiliation! De son vivant, le pire ennemi de son père, c'était Blaise Pascal Talla. Nikki Love qui est mère là à Banjou. Vous vous rendez compte? Le père Fosso meurt. Et la chose que sa fille trouve, c'est d'aller épouser son pire ennemi. C'est-à-dire que Nikki Love est la sœur de l'or. Dans cet amalgame, où ces gens ont utilisé la division de la famille. Jérémy Ndjita vient aujourd'hui parler de « Oh, ça me fait mal au cœur qu'on dise que ce ne sont pas mes enfants. » Sa femme et lui, pour chasser les autres enfants, ils ont passé le temps à dire que « Oh, tel n'est pas le vrai enfant de notre père, hein, Fosso. Oh, tel autre. Oh, c'est un enfant adultère. Oh, l'autre, on connaît son vrai père. Oh, l'autre. » Et c'est pas si. Maintenant, il vient se plaindre que sa femme est venue avec des enfants qui n'appartenaient pas à ceci et cela. Mais Jérémy Ndjita, as-tu dit à ta femme que tu as payé une maison, que tu as acheté un appartement à une femme à Paris? Bon, peut-être qu'elle sait que c'est le père, que c'est la maison du père de... Enfin, puisque je crois que tu as d'ailleurs eu l'enfant avec la fille de Ouette, Kona Ouette. Tu as pris cet argent-là comment et où c'était ton argent? Jérémy Ndjita, qui est l'homme fidèle, qui reste 14 ans sans faire l'amour parce que l'autre a fermé, allez demander là où il vit. Matin, midi, soir, le gars est au casino, à côté de Mercure Hotel. Là-bas, il y a une chinoise qui est artificielle. Elle a été refaite jusqu'au mandibule. Les faux seins comme ça, là. Elle est même... C'est-à-dire que c'est comme une poupée. Jérémy Ndjita s'assoit là-bas. Il joue au casino. C'est là-bas où il va aussi se rencontrer avec le fils de l'autre, là, de Julien Fosso, qui gère les biens des enfants de Chantal Biya. Jérémy Ndjita, lorsque Fosso meurt, il a un jet privé. Mais pendant un an, Jérémy Ndjita ne se déplaçait qu'avec le vol privé, le jet privé de Fosso. Et les frais d'entretien, des déplacements, c'est au compte de l'entreprise et non de ses poches. Le jet privé d'autrui. Il prend le jet privé pour aller jouer au casino à Monaco. Il prend le jet privé pour aller jouer au casino à Londres. Celle qui est au casino là, la chinoise là, qui balait tout le monde là. Hein, quand j'ai lui, Djitabella, dès qu'il voit que quelqu'un d'autre veut dire mettre beaucoup d'argent, il bombarde, boum, boum, boum. Mais vous êtes là-bas. Vous êtes dans ces Yaoundé, c'est Manos, parce que tout le monde est là-bas, Djita. On te tape encore là-bas. Là-bas, tu es même alors gravement cocufié. Et on t'escroque encore. Tu viens dire que c'est toi qui es... Ah, pardon, laisse-moi croquer ma pomme. Hein?
Elle est bonne, la pomme. La pomme. Bon. Depuis que je suis né, je n'ai jamais senti une pomme aussi bonne. Le problème avec Yamin Dita, c'est qu'il a un problème avec l'argent. C'est un arriviste, un matérialiste. Je dis parfois quand les gens me disent que oh, il peut faire des il peut gérer l'Afrique à foutre. C'est une fois, voilà ça. Yamin Dita est arrivé là-bas. Pourquoi en 2016? Après Mayebi, mon ami Mayebi. Mayebi m'avait parlé déjà de Jérémy Dita. Que c'est-il? Feu Mayebi, pas ton âme. Mais il avait vu juste. Il a succédé à Mayebi. Mais regardez. Dès qu'il est entré là-bas, il dit qu'il défend les intérêts des joueurs. Rien que son téléphone. Par mois, 1 650 000, alors que les autres n'ont pas de salaire. Celui qui dit qu'il est milliardaire, il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite, il vient encore prendre le petit argent des footballeurs. Combien de fois il a tenu les assemblées nationales pour rendre compte, ne serait-ce que de l'argent que FIFA verse? Rien. Il prend de l'argent, casino, les femmes, voilà la vie. Tu viens pleurer quoi? Tout le monde te connaît. Tu viens pleurer. L'autre la met. Attends. Partagez l'argent, dites la vérité aux gens. Remboursez l'argent des autres enfants. Vous avez volé et vous voulez bien embrouiller les gens. Parce que c'est un problème de partage de magot. Vous ne pouvez pas prendre l'héritage de Fosso. Vous gavez. Vous avez fini le temps à détruire les vies, les couples et tout ça. Et vous faites semblant maintenant d'être aujourd'hui majeur et tout ça. C'est parce qu'il ne veut pas prendre le cas du Sinafo aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet. Mais un jour, quand vous parlerez de Ndjita, de Jérémy Ndjita, mais ce gars, c'est un escroc, c'est un fait-man. Ndjita est un fait-man. C'est le vrai mot. Ndjita est un fait-man. Et maintenant, il a trouvé une fait-woman. Ils ont fait le vieux Fosso. Jusqu'à ce que Jérémy Ndjita savait que derrière le carnet d'adresse de Laure Fosso, c'est là où il a eu les contacts à la présidence. Et les contacts à la présidence, c'est avec ça qu'il veut donc aussi devenir quelque chose à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'a fait que grimper sur des femmes, cueillir le plus bon, et après, dès que les services sont rendus, pop, il dit non, l'autre là, il m'a déçu. Mais lui, il ne déçoit jamais une femme, hein. Vous avez même vu quelque part qu'il a écrit qu'il a fait l'enfant avec sa bonne. Et que cette fille même a été chassée de la maison. Et non? Ndjita. Un tape ballon. On va te taper au dos. Puisque tu as passé le temps à taper sur le dos des gens. C'est comme ça. Tape. Ndjita. Il est tapé, il n'était pas encore tapé. Samedi, je vous donne rendez-vous pour les dossiers noirs du samedi soir, 18h.